Bien, mes amis, je vous propose de vous asseoir. C'est bon. Je voudrais d'abord saluer tous les Moulinois, tous celles et ceux qui vont nous regarder. Puisque avec cette retransmission du Conseil, chacun, chacune peut voir dans de bonnes conditions. Nos concitoyens qui le veulent à la vie de leur cité. Voilà. Je voudrais aussi commencer cette séance en vous rappelant combien nos concitoyens ont été touchés par le départ de deux Français auxquels ils apportaient une grande partie de leur cœur. Je pense à Johnny Hallyday, je pense à Jean d'Ormesson, qui ont l'un et l'autre placé leur production de chansons pour l'un, d'écriture pour l'autre, sous le signe de l'espérance. Alors on est dans un conseil municipal, on est là pour préparer l'avenir. Et quand on prépare l'avenir, c'est qu'on espère. Et je pense que nos concitoyens ont vu avec l'évolution de notre ville combien on avait eu raison d'espérer pour l'avenir de notre ville, pour l'avenir de notre territoire. Et donc je vous invite ce soir à continuer à travailler dans cet esprit d'espérance dont je rappelle que c'est la devise de notre ville. Voilà. Je vais vous souhaiter un bon conseil, je vais déclarer la séance ouverte. Si vous êtes d'accord, on va confier à notre Benjamin Ludovic Brazy la fonction de secrétaire de séance. Et si vous en êtes d'accord, je vais faire l'appel. Pierre-André Périssol, Nicole Tabutin, Dominique Legrand, Christian Place a donné pouvoir à Cécile de Brevent, mais va nous rejoindre. Je crois qu'il est sur le... Action au niveau c'est la Sainte-Barbe des pompiers, donc il va nous rejoindre. Daniel Demure, Bernadette Rondepierre, est en retard, elle a donné pouvoir à Jean-Michel Moreau, je crois même qu'elle sera absente d'ailleurs, et je pense qu'on peut tous lui envoyer des ondes gentilles, puisqu'elle va un petit problème de santé, donc on lui montre toute notre affection, toute notre présence. Jean-Michel Moreau, Johnny Carey, est absent à donner pouvoir à Ludovic Brazy, Stéphane Lunt, Beke Benzora m'a donné pouvoir, Cécile de Brevent, Jean-Marie Lesage, Nathalie Martins, Catherine Tabourneau, Betty Housset, Ludovic Brazy, Liliane Hérault a donné pouvoir à Daniel Demure. Je crois aussi qu'on peut lui envoyer de bonnes ondes, ou plus exactement à Butin, Nadia Wardigui a donné pouvoir à Jean-Marie Lesage, Romain Jonard a donné pouvoir à Dominique Legrand, Jacques Lahaye, Dominique Vézurian, Yannick Monet, je vais demander si quelqu'un a des observations à présenter sur le procès-verbal de la séance du 6 octobre. S'il n'y a pas d'observation, il est adopté. Je vous demanderai si vous avez eu la liste des décisions que j'ai été amené à prendre entre le 12 septembre et le 16 novembre. Eh bien, je vais vous proposer de commencer notre ordre du jour avec le premier point qui est la décision modificative numéro 3. De notre budget. Je passe la parole à Stéphane Lund. Merci, Monsieur le maire. Merci, chers collègues. Bonjour, bonsoir. Nous avons donc ce soir notre troisième décision modificative de notre budget. Nous avons le budget primitif en début de l'année. Ensuite, par différentes étapes, nous précisons nos prévisions, notre exercice budgétaire de l'année. Donc, à la fin de l'année, on a
encore quelques ajustements à faire, mais ce ne sont pas beaucoup, quelques-unes. Elles concernent le budget principal, et dans le budget principal, surtout d'abord la partie de l'investissement. Il y a deux parties, fonctionnement, investissement. Dans la partie investissement, on a d'abord des dépenses à annoncer, mais je vous rassure, ils ne font pas très très mal, parce qu'ils ne vont pas augmenter énormément nos dépenses. On inscrit 4 subventions de chaque 100 euros chacune pour aider nos anciens combattants, 4 associations pour acheter un nouveau drapeau. Ce n'est pas le prix total, on fait une participation simplement. On les a souvent avec nous à toutes les commémorations, donc je crois que c'est... C'est-à-dire, on passe cette somme d'une ligne à l'autre. C'est comme au trafic, quand vous êtes sur une deux voies, il suffit, vous pouvez changer de ligne sans vous mettre en infraction. Il suffit simplement de mettre le clignotant. Donc, on met le clignotant ce soir, on annonce qu'on prend ces... Ça, c'est les dépenses d'investissement. Et après, il y a des recettes d'investissement. Là aussi, une petite annonce à faire. Nous avons inscrit en début de l'année sur la partie des cessions, des recettes qu'on a par des cessions de nos immeubles. On avait inscrit une somme de 163 000 euros. Ça ne suffit pas. Cette ligne-là de 37 000 euros pour atteindre 200 000 euros. Je me permets de quitter aussi ma casquette de rapporteur de budget et de prendre celle de adjoint au patrimoine pour rappeler que cette école, il ne faut pas oublier, c'est un lieu très historique pour nous. C'est une des premières salles d'asile qui ont existé. C'est un peu le premier pas vers l'école maternelle. Donc c'était ça pour les recettes d'investissement. En fait, maintenant je passe à la section fonctionnement. Là nous avons en dépenses de fonctionnement une somme de 1500 euros à inscrire en supplément que va être présentée tout à l'heure pour une subvention de l'école Legato pour financer un voyage scolaire. Ça, c'est le budget principal. Et maintenant, encore un petit mot sur le budget d'eau, où simplement est à signaler un virement interne. À nouveau, on met le clignotant de 10 000 euros pour un virement interne. Voilà pour les différents éléments. On les a discutés en commission lundi, et je crois que ça suffit pour la présentation. Y a-t-il des questions ? Des oppositions, abstentions, merci. Oui. Abstention. Il y a combien d'abstentions? 5 abstentions puisqu'il y a un pouvoir. Ok, merci. Alors, deuxième délibération, imputation budgétaire comptable des biens meubles de faible valeur. Christian Place étant absent, c'est... La délibération numéro 2, quelque chose que nous avons régulièrement sur la table, par le traitement en conseil des petits achats dans la partie fonctionnement de notre budget.
on peut le faire passer en section d'investissement, ce qui nous permet de récupérer la TVA là-dessus. Donc vous avez la liste de tous ces dépenses avec la valeur d'acquisition, c'est des petits matériels, et qu'on vous soumet pour décider d'imputer à la section d'investissement ce matériel en vue de récupérer la TVA là-dessus. Ça, c'était pour une liste complémentaire pour l'exercice 2017. Alors, sur cette liste complémentaire, contre, abstention, merci. Deuxième liste. Même exercice, sauf cette fois-ci pour l'année 2018. Les meubles, les biens meubles de faible valeur, vous avez sur votre délibération la liste lecteur CDG, CD, ainsi de suite, armoire à clé, armoire à rideau, ainsi de suite. Voilà. OK. Contre, abstention, merci. Qu'est-ce que c'est le centre? Stéphane, toujours. Autorisation à l'ordonnateur engagé, liquidé, mandaté. Oui. Une question, parce que a priori, tous, enfin, dans la délib numéro 3, tous les, c'est plutôt en lien avec les services techniques, non? Et je veux dire, on va continuer. Est-ce que c'est Moulin Communauté qui va avoir l'achat, ou est-ce que c'est par rapport au petit matériel, je ne sais pas. C'est logiquement, ça reste la ville, parce qu'on ne va pas mutualiser nos investissements et nos dépenses de fonctionnement. C'est le personnel dont on parle en termes de mutualisation. Je m'excuse, je ne vois pas très bien ta question. Parce qu'il me semblait qu'on avait, à la Clète, quand on a transféré au niveau service technique, on avait transféré aussi la somme de coûts moyens par an, non? Enfin, c'est l'impression que j'avais. C'est plutôt les bureaux, les choses comme ça. Pour les services techniques, c'est peut-être fonctionnement de bureau au niveau service. C'est pas le matériel qui sert à travailler. Okay. Alors, autorisation de l'ordonnateur à engager, liquider, mandater des dépenses d'investissement. Donc, on me précise effectivement, c'est le petit matériel qui permet de fonctionner aux agents, et que c'est pas couvert par la mutualisation. Mais la délibération numéro 4, donc, c'est aussi quelque chose que nous avons aussi régulièrement en fin d'année sur notre ordre du jour. Il s'agit d'autoriser les investissements à hauteur d'un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2017. C'est simplement lié au fait que nous votons notre budget 2018 simplement fin mars. Il y a les trois premiers mois où il faut déjà engager un certain nombre de dépenses, donc il faut des crédits qui soient ouverts pour cela. Donc cette délibération, elle est bien connue à tous ceux et celles qui participent régulièrement à ce conseil. Oui, Yannick. C'est tout à fait normal que tu dises, si tu n'entends pas bien, il faut... Non, c'est pas qu'il marche, c'est que je parle très près du micro et fort. C'est comme ça. Si tu veux bien, avance ton micro, tu te mets à... et tu parles fort. Mais non, mais c'est vrai. Alors... Éteins. Donc, la délibération numéro 4, la délibération... Numéro 4, donc je vais essayer de faire un effort là-dessus. La délibération numéro 4 consiste à autoriser l'ordonnateur à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2017. C'est une délibération que nous avons systématiquement en fin d'année pour faire fonctionner nos services en début de l'année. OK, chaque année on le fait, donc j'imagine vote unanime. Merci. Merci Stéphane. Dominique, prix de vente de l'eau, tarif 2018.
trouver donc les tarifs de l'eau pour l'année 2018. Donc c'est sur une base de 2%. Donc nous vous proposons un prix de base de l'eau à 0,6749 € hors taxe. Et donc ceux qui donnent pour la facture type, hein, comme on dit tous les ans, de 120 mètres cubes, eau plus abonnement, une augmentation sur l'année pour 120 mètres cubes de 2,39 €. C'est raisonnable. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci. Prix de vente de l'eau aux communes, notamment d'Yzeure et de Neuvy. Oui, Yzeure et Neuvy ne possédant pas de ressources en eau potable, il est nécessaire pour ces deux communes de pouvoir s'approvisionner en eau potable auprès d'un autre organisme. C'est pourquoi des conventions ont été passées le 1er janvier 2017 pour 3 ans entre la ville de Moulins et la ville d'Yzeure et pour 1 an avec Neuvy. Donc, il est nécessaire, d'une part, de corriger une erreur matérielle qui s'est glissée dans la définition des indices de révision en notifiant les indices de mai 2009 au lieu de mai 2016, et d'autre part, de prolonger la convention entre la ville de Moulins et Neuvy, puisque celle-ci arrive à son terme, donc la renouveler pour 1 an. Contre, abstention, merci. Merci Dominique. Alors, délibération de garantie partielle de Moulins Habitat dans le cadre de l'extension de la résidence FJT Anima qui va annuler et remplacer la délibération de février 2016. Donc c'est une garantie d'emprunt sur un prêt d'un montant de 801 055 €. Et la garantie, la ville de Moulins accorde donc sa garantie à hauteur de 60%. Contre, abstention, merci. Garantie partielle pour la réhabilitation thermique des 80 logements, oui. Je pense qu'on prend, enfin, je ne prends pas part au vote, et puis peut-être Nicole aussi, peut-être, je ne sais pas. Tout à fait. Enfin, prendre pas part au vote parce qu'ils sont liés soit à Moulins Habitat, soit à. Ben oui, enfin, sauf que si c'est. Attendez. Ouais. Donc, c'est tous les administrateurs de Moulins Habitat qui seront. Qui ne participeront pas au vote. Alors, deuxième délibération de garantie partielle pour la réhabilitation thermique de 80 logements. Rue Jean-Jacques Rousseau et rue du 4 septembre. Donc c'est un prêt auprès donc, de la Caisse des dépôts et consignations pour 1 060 000 et la garantie de la ville de Moulins sera à hauteur de 60%. Même cause, mêmes effets, approbation unanime, moins les non prises part au vote. Pareil pour 80 logements au Duranta. Donc là, c'est toujours un prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 1 120 000 euros et garanti toujours à hauteur de 60%. Approbation unanime, merci. Nous passons aux subventions exceptionnelles pour l'association départementale Honneur et Patrie, l'association auvergnate des anciens des FFA, l'amicale du 92e régiment d'infanterie, et UNPRG, allié Montluçon-Moulins. Donc ce sont des subventions à hauteur de 100 euros, mais tout à l'heure Stéphane Lund vous les a déjà présentées un petit peu en amont, mais il faut qu'on les vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci. Passons à une modification du tableau des effectifs. Oui, lorsqu'un poste permanent vacant au tableau des effectifs peut être pourvu par un agent contractuel, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer la rémunération attachée à ce poste. Donc, on vous propose de fixer la rémunération du poste d'attaché assurant les fonctions d'animateur du centre-ville sur la base du 6e échelon de l'échelle indiciaire des attachés et associée au régime indemnitaire pouvant être perçu par les agents titulaires du grade. Opposition, oui.
Je voulais intervenir à l'occasion de cette délibération. Il y a un article dans Le Monde qui va paraître demain, version papier, sur le problème de la désertification au niveau centre-ville, qui prend l'exemple dans le texte de Moulins, qui cite Moulins comme ayant au niveau centre-ville un commerce sur cinq qui serait effectivement au niveau vacances. Donc les chiffres, c'est une étude d'un cabinet lyonnais, l'étude AID Observatoire, qui prend 190 centres-villes. Et l'avantage de cette étude, c'est qu'elle différencie la vacance entre le centre-ville exactement et puis tout ce qui est périphérique. Hein. Et donc, il y a des chiffres qui sont quand même très, très impressionnants parce que en 10 ans, le commerce, disons, des grandes surfaces est passé de 4,7 millions de mètres carrés à 17 millions de mètres carrés. Donc c'est énorme, ça fait deux fois la Corse comme superficie. Donc c'est vrai que c'est une des questions qu'on peut se poser par rapport au commerce centre-ville. Ensuite, les chiffres pour Moulins, puisque vous savez que au niveau de la vacance, à partir de 10%, ça devient inquiétant. La moyenne des villes, disons, qui sont dans le même nombre d'habitants que Moulins, est de 11,7 pour 2017, et c'était 11,3 au niveau de 2016. Les chiffres donnés pour Moulins sont de 17,6 au niveau de 2016 et 18,9 pour 17,6 pour 2016 et 18,9 pour 2017. Donc c'est vrai que c'est cette délibération je pense que l'article annonce un certain nombre de choses. Moi j'avais repris, je voulais revenir là-dessus, sur l'Assemblée générale des villes du 12 octobre dernier, mais ils annoncent aussi dans cet article que le ministre fera une conférence des territoires sur Cahors le 14 décembre. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, je ne sais pas ce qui est ou non pris, mais il y a 116 sites, par exemple, patrimoniaux remarquables, qui sont situés dans des villes moyennes, qui ont été classées, permettant ainsi la mise en valeur des centres anciens à fort caractère patrimonial. Donc, je voulais poser la question, est-ce que Moulins avait été contacté ou non? Deuxième chose, il y aurait au 14 décembre un volet logement qui serait annoncé avec 1,5 milliard d'euros pour la restructuration des pieds d'immeubles. Là aussi, ça pourrait être une façon aussi d'aider au niveau création. Et le deuxième volet, serait un moratoire, mais d'après l'article, ça serait contesté, sur la possibilité à l'échelle locale de faire un moratoire sur la création de nouveaux centres commerciaux. Et le troisième volet porte sur le développement au niveau numérique, tout ce qui est initiative et aide. Voilà. Donc je pense que là-dessus aussi, je crois que, on en a discuté au niveau de notre groupe par rapport à la préparation. Il nous semblerait qu'il serait intéressant de faire un point avec le manager au niveau centre-ville et puis sous forme, disons, de commission, par exemple, pour essayer de réfléchir, parce qu'on pense qu'il peut y avoir un certain nombre d'effets qui peuvent être compliqués, le fait de la création d'activités dans les locaux qui sont effectivement abandonnés. C'est une bonne idée en soi, mais c'est vrai que le transfert, est-ce qu'il n'y a pas aussi au point de vue effet pervers, et est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers aussi par rapport à la vente au niveau beaux commerciaux, où les gens ont plus tendance à finalement laisser passer le délai de 3 mois de vacances et avant de pouvoir effectivement vendre véritablement les biens. Donc voilà, donc c'est une demande aussi de discussion sur ces thèmes-là. Jacques, tu as évoqué une partie de l'article du Monde. Il évoque aussi ce qui a été fait à Moulins. Et ce qui a été fait à Moulins, justement, qui porte ses fruits, avec
notamment le recrutement d'un manager de centre-ville. Et en ce qui concerne Cyril Martin, puisque c'est de lui dont il est question dans les délibérations, je crois qu'on peut tous se féliciter d'avoir réussi à mobiliser un profil de cette compétence, de cette personnalité qui arrive à réussir à créer un climat vraiment de confiance avec les commerçants du centre-ville et dont l'action porte ses résultats. Deuxièmement, je rappelle que nous avons un système d'aide aux repreneurs de locaux vacants au bout d'un certain temps pour installer un commerce avec un système de subvention qui là aussi porte ses fruits en faisant venir des commerces qui ne seraient probablement pas venus s'installer sans cela. Troisièmement, nous avons créé mis sur pied un système de foncière où de recherche de promoteurs capables de reprendre des locaux commerciaux, de les restructurer pour les adapter à une demande moderne de fonctionnement commercial aujourd'hui. Et je rappelle que nous avons réussi à sauver ainsi l'utilisation des locaux anciennement Burton, qui sont placés dans un endroit tout à fait stratégique, en bas de la rue d'Allier et en haut de la place d'Allier. Enfin, mais il y a plein d'autres actions qui sont menées, mais j'évoque aussi celle qui a porté ses fruits, puisque nous sommes donnés les moyens de faire respecter les engagements que nous avions fait prendre pour que la périphérie ne reprenne pas des implantations de commerce qui viendraient concurrencer le centre-ville. Je rappelle que à la périphérie, vocation à accueillir tout ce qui est équipement de la maison, le sport, et en centre-ville, tout ce qui est équipement de la personne et culture. Et que lorsque des engagements n'ont pas été respectés, nous n'hésitons pas à porter l'affaire devant la justice et que nous avons, comme ça, nous nous donnons les maximums de chances pour justement veiller à faire cet équilibre entre le commerce en périphérie et le commerce en centre-ville. Je rappelle, comme tu l'as très bien dit, qu'au-delà de ça, il y a des modifications considérables dans l'appel au type de commerce différent avec le développement du e-commerce. Donc, tout ceci a permis d'avoir des résultats qu'on voit bien d'ailleurs, puisqu'il y a eu dans les derniers mois, et il y en aura encore, des investissements dans des commerces qui étaient vacants, dans des locaux qui étaient vacants, et qui donnent des commerçants d'ailleurs d'une génération différente, avec un dynamisme vraiment très, très fort, et qui font que tout n'est pas réglé, j'en suis tout à fait conscient, mais qu'on a aujourd'hui un centre-ville beaucoup plus dynamique et beaucoup plus attractif qu'avant. Voilà. Donc, on va poursuivre cette action. Et évidemment, tous les moyens qui peuvent être sollicités, eh bien, on fait appel à eux. Hein, ça va de soi. Et nous ferons appel à tout ça. Mais je rappelle que l'action que nous avons menée dans le commerce en centre-ville a attiré d'abord une mission sénatoriale qui est venue il y a à peu près 2 mois regarder ce qui se faisait parce que ça avait des résultats qui permettaient de donner de l'exemplarité à l'action menée par la ville de Moulins et que le monde est venu aussi voir alerté par justement de bonnes actions qui étaient menées. Voilà, mais évidemment on regarde ce qui peut être mis comme aide à disposition d'aide de villes comme nous. Vas-y. Je ne pensais pas intervenir à l'instant sur ce sujet, mais Jacques a commencé, vous avez poursuivi. Moi, je vais continuer sur le fait du centre-ville et des difficultés qu'il y a. Je l'ai déjà dit, loin de penser que rien n'est fait. Daniel, tu peux parler près du micro aussi, parce que même cause, même effet, dans un sens, mais dans l'autre aussi. Parce que vas-y, te laisse pas,
te laisse pas déstabiliser par ton voisin de gauche. Je ne vais pas me laisser influencer par la gauche ce soir. Ben oui, je vois, mais ton extrême gauche est beaucoup plus déstabilisante que nous pour toi. Alors continue. Oui, je voulais dire que je pense que loin est dans notre intention de dire que rien n'est fait en ce qui concerne les difficultés que rencontre le centre-ville ou les centres-villes, parce que ça n'est pas qu'une situation moulinoise. Des choses sont faites, mais je pense qu'il faut avoir le courage, l'honnêteté de dire que cela n'est pas toujours efficace et cela n'est pas aussi efficace que vous le dites ou que vous le pensez. Je pense que quand on est au pouvoir, quelques œillères arrivent et par moments, on n'écoute plus, on n'entend plus tout ce qui se dit ou ce qui se pense pour les gens concernés. Moi, je pense que vous devriez nous écouter, nous entendre un peu plus et retenir quelques propositions que nous vous faisons. D'ailleurs, le fait que ce soit aujourd'hui filmé, c'est quand même une proposition qu'on vous avait faite. Vous l'avez retenu et on vous en remercie beaucoup. Donc je reviens sur le sujet. Moi, Jacques indique Le Monde, vous donnez quelques réponses. Je suis allé voir les travaux qu'ont fait une fédération du commerce qui s'appelle la FACA, donc, qui est une fédération qui regroupe à peu près 30% des commerces. Et il y a des locomotives, puisqu'il y a Intermarché, il y a Leclerc, etc., et qui ont fait des travaux importants qui viennent de publier, et ils pensent effectivement que le gouvernement pourrait s'en intéresser. Ils font d'abord une remarque qui paraît importante et qu'on devrait retenir ou qu'on devrait s'inspirer, c'est de dire qu'il faut arrêter ou qu'il est inutile d'opposer en permanence centre-ville et périphérie. Partant de la remarque qui paraît pertinente, c'est de dire très souvent, dans beaucoup de villes, c'est les mêmes commerçants qui s'installent aussi bien au centre qu'à l'extérieur. Et il serait bien d'ailleurs que ce soit les mêmes commerçants qui s'implantent à l'intérieur et extérieur. Et après, ils font deux propositions. Une proposition de créer des zones franches. Ils pensent que les intercommunalités peuvent le faire. Et créer une zone franche pour donner la même facilité aux commerçants qui veulent s'installer en ville que ceux qui veulent s'installer en périphérie, en jouant sur la fiscalité, allant jusqu'à défiscaliser un certain nombre de comptes des commerçants qui s'installent en centre-ville. J'ai trouvé là, parce que c'est du domaine de l'intercommunalité, ça paraît possible, j'ai vérifié, j'ai trouvé là qu'il y avait peut-être une réponse intéressante. Et ils en font une seconde, qui est de dire que, cela va peut-être vous irriter un peu, mais tant pis, c'est pas ce que je cherche. Ils disent qu'il faudrait donner les mêmes conditions de parking en centre-ville qu'il y a sur la périphérie, et donc que les gens puissent se garer tel au centre-ville comme cela est possible à la périphérie, puisque lorsqu'on va à la périphérie, on arrive, on pose sa voiture, on est là et on rentre à l'endroit où on veut. D'ailleurs, ici, très localement, quand on regarde ce qui se passe au centre-ville à la route de Lyon, on voit bien qu'il y a une explication quelque part. Voilà. Il y a deux propositions qui me paraissent importantes, sur lesquelles il serait bien de réfléchir. Et après, ils disent effectivement, il faut bien sûr se soucier du contexte en général. Si la population baisse, la population baisse. Mais aussi, les conditions de circulation, etc., en ville, sont importantes à examiner pour essayer de redonner ce qui est indispensable à un centre-ville, c'est-à-dire que le commerce existe et tous les commerces, pas qu'un commerce spécialisé. Ça n'a rien de désagréable pour Moulins, c'est plutôt, je pense, quelque chose que nous ferions bien ensemble de regarder de très près. Et peut-être moi, je ne sais pas ce que fait le manager, enfin, je pense qu'il travaille, je ne sais pas ce qu'il... Je ne sais pas ce qu'il conclut de ces échanges, je ne sais pas ce qu'il a comme réponse. Il a sûrement des réflexions, il a sûrement des idées qui viennent, etc. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, ni plus ni moins. Mais je te répondrai avec des éléments très, très concrets. Yannick. Oui, ça vient de moi, là. Ça marche pas.
Oui. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces micros. Voilà, sur la question du centre-ville, d'abord le manager, oui, il faudrait qu'on ait des éléments de bilan pour voir le travail qui se fait. Je pense qu'il ne faut pas crier victoire sur la question du centre-ville tout de suite, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, donc il faut continuer à travailler. Il faut se préoccuper des commerçants, il faut se préoccuper des clients. Moi, c'est sur la question du stationnement. Je ne crois pas qu'un stationnement gratuit en centre-ville serait une bonne chose, puisqu'on aurait un phénomène de véhicules qui stationnent. Par contre, on a un vrai problème de politique tarifaire. Aujourd'hui, les gens en centre-ville, moi je suis étonné du nombre de personnes qui m'interpellent, mais je pense que je ne suis pas le seul, sur la façon dont ça se passe en centre-ville avec les parkings. Les gens en centre-ville se font verbaliser, très régulièrement. Mais ils ne se font pas verbaliser parce que c'est de la faute de la police municipale, ils se font verbaliser parce que souvent ils sont de passage, il y a des dépassements de tickets, et parce que les consignes que vous donnez vont dans ce sens. Je pense qu'il faudrait être beaucoup plus souple sur le stationnement en centre-ville. Déjà, votre politique tarifaire est fondamentalement injuste, puisqu'on paye, plus on reste garé longtemps, moins on paye cher. C'est-à-dire, quand on arrive en centre-ville, il faut déjà mettre, enfin pour ceux qui vont se garer en centre-ville, il faut déjà mettre 50 centimes. Et après, on paye proportionnellement autant qu'on y reste. Ça, c'est, je pense, un vrai handicap. Parce qu'effectivement, nous, on n'oppose pas le centre-ville et les périphéries. Mais de fait, ça s'oppose. Il faut arrêter de raconter des histoires. De fait, les gens, ils vont pas aller acheter, quand ils vont acheter quelque chose en périphérie, ils vont pas aller acheter la même chose en centre-ville pour nous faire plaisir. Donc forcément, c'est un commerce qui est susceptible de s'opposer. Alors, moi, j'ai toujours soutenu votre position sur l'équilibre entre périphérie et centre-ville et d'essayer d'avoir des commerces différenciés. Je pense qu'on a un vrai problème de politique de stationnement en centre-ville. Et alors moi, je suis pour des stationnements beaucoup plus courts. Pourquoi pas avoir les 20 premières minutes ou la première demi-heure de gratuite pour tout le monde? Avec le principe où on appuie sur, même Montluçon le fait, alors vous n'avez qu'à voir, si Montluçon le fait, on est capable de le faire. On appuie sur le, ça nous sort un ticket, on a au moins 20 minutes de gratuit ou 30 minutes de gratuit pour que les gens puissent non pas stationner, mais faire des arrêts de courte durée. Et si jamais ils ont des achats plus importants à faire, je pense qu'il y a suffisamment de parking. Clermont-Ferrand aussi le fait. Bon, voilà. Mais enfin, franchement, aujourd'hui, les gens ont l'impression d'aller en centre-ville pour se prendre des prunes, donc ils y vont pas forcément. En centre-ville, et enfin, je ne veux pas faire une généralité parce que je n'ai pas la prétention de côtoyer l'ensemble des Moulinois, mais je peux vous dire que ceux que je rencontre, ils en ont marre d'y aller en centre-ville parce qu'ils se prennent des prunes. Donc ils vont en périphérie parce que c'est gratuit. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres intervenants, je vais vous apporter quelques réponses. Daniel de la Salle nous a donné un plan pour le centre-ville élaboré par des grandes surfaces périphériques. Là, franchement, j'aurais pas... Non, tu as cité Intermarché, Leclerc, etc. J'aurais vraiment pris, pour sauver le commerce en centre-ville, plutôt d'autres conseils que les grandes enseignes de périphérie, et notamment celle, une que tu as citée. Alors, moi, je n'ai pas opposé centre-ville et périphérie. Je veux simplement qu'il y ait un équilibre. C'est pour ça que je me bats depuis 2005. Ce n'est pas pour les opposer, c'est pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre la périphérie et le centre-ville. Et ceci passe, ça fait l'objet d'une approbation dans une délibération datant de juin 2005, qui a été votée à l'unanimité, délibération qui était, en conseil communautaire, au conseil communautaire, qui a été approuvé à l'unanimité, et que je me fais un devoir de faire respecter, avec les moyens qui sont les nôtres, depuis maintenant 12 ans. Et cette délibération n'oppose pas le centre-ville à la périphérie, elle évoque simplement des vocations de commerce qui ont vocation à aller en périphérie et d'autres qui ont vocation à aller en centre-ville. Et on a toujours ici pris le parti de favoriser la venue d'enseignes sur l'agglomération qui, lorsqu'elle n'existe pas, entraîne une évasion commerciale dans d'autres territoire, que ce soit sur Vichy, sur Clermont ou autre. Et c'est comme ça, par exemple, que nous nous sommes battus et de façon, je pense, efficace, par exemple, pour l'avenue de Décathlon, qui est venue en périphérie, et donc c'est une très bonne chose qu'il soit là, parce que ceux qui allaient
chercher un décathlon, eh ben, quitter le territoire. Et donc, je ne veux pas, non pas, ce n'est pas de la polémique, je le dis très sincèrement, mais je trouve que ce côté très réducteur, où on donne, on nous montre comme nous opposants, non, ce n'est pas ça du tout. On cherche à équilibrer. Et notamment, lorsque nous avons cherché à équilibrer, lorsque nous avons cédé les terrains qui ont permis à l'enseigne Leclerc de s'implanter aux portes d'Allier à Avermes, nous l'avons fait dans le cadre d'un cahier des charges. Cahier des charges qui avait été arrêté dès 2012, qui a été signé devant notaire en 2015 après de nombreuses discussions. Et je me permets de rappeler que je n'ai pas été soutenu, cher Daniel, lorsqu'il a fallu faire respecter ce qui avait été signé, les engagements qui avaient été pris. J'ai tenu. Et je pense que si j'ai tenu, c'était pour justement, en l'occurrence, faire en sorte, d'abord de faire respecter ce qui est signé, ce qui est la moindre des choses, mais deuxièmement aussi, en l'occurrence, de préserver le commerce du centre-ville. Et donc, je le ferai, et je le ferai chaque fois que quelqu'un cherchera à s'écarter de ce cahier des charges qui, je pense, est très équilibré et qui est public, qui doit être accepté par tous. En tout cas, pour trouver les moyens de préserver le commerce en centre-ville, je pense qu'il y a d'autres conseils meilleurs que les grandes enseignes qui s'implantent en périphérie. Je veux rendre hommage à Yannick qui a le courage de dire que la gratuité du parking en centre-ville ne serait pas la bonne solution. Il faut du courage pour le dire et je t'en félicite. Tu évoques un problème de tarification injuste. Alors je le dis tout de suite, on en parle régulièrement ici et je ne dis pas qu'on a une parole d'évangile avec ça. Tout ça peut s'ajuster. Je voulais simplement vous dire quelque chose qui est une très bonne nouvelle et dont d'ailleurs on parlera peut-être plus avant ici, c'est qu'on a fait faire une étude, mais on ne va pas rendre compte de cette étude aujourd'hui, mais sur l'utilisation des parkings. Parce qu'effectivement, tout le monde râle. Je te rassure Yannick, dans toutes les villes de France, tous les gens qui utilisent leur voiture râlent. C'est d'ailleurs quelque chose de sain, mais c'est comme ça. C'est très français, mais c'est comme ça. En tout cas, ce qui est vrai... Pourquoi tu me regardes en souriant, Nathalie? Tu râles souvent aussi. Vous voyez, ce n'est pas une question politique. Même à l'intérieur d'une majorité, on a ces échos. Mais au-delà de ça et de cette boutade, on a ces 2000 véhicules. Et a été multiplié par deux, pratiquement. Le taux de rotation des véhicules qui viennent en centre-ville a été pratiquement doublé au cours des années passées. Et ce qui veut dire qu'il y a de l'ordre de 2000 véhicules qui viennent quotidiennement en plus dans le centre-ville qu'il y a... C'était par rapport à... Pardon ? Par rapport à 2011, c'est ça. Je crois que c'est 5 ans, c'est 6 ans. Ce qui veut dire que la politique menée, dont je précise encore une fois qu'elle peut... Encore une fois, s'ajuster, se perfectionner, hein, c'est évident. Ce n'est pas écrit dans le marbre pour l'éternité. Quoi qu'il en soit, l'objectif qu'on avait, parce que c'est la demande des commerçants, c'est surtout que les clients trouvent une place. Et pour trouver une place, il faut que ça tourne. Et on sait très bien qu'on avait dans Moulins un taux où les gens qui venaient et qui stationnaient longtemps étaient, parfois évidemment... en trichant, hein, c'est-à-dire en restant plus de 2 heures et en ne bougeant pas. Eh bien, ceci a été, ce handicap a été réduit, on a doublé le taux de rotation et on a 2000 véhicules par jour en plus qui viennent stationner dans Moulins. Je ne dis pas que c'est parfait, je dis simplement que ça montre qu'on est dans la bonne voie. On peut encore une fois l'améliorer, mais si vous êtes d'accord, on en reparlera. Parce que c'est un sujet important. On a eu, je crois que il y a 15 jours, j'ai eu le résultat, donc on vous les présentera.
J'ajoute enfin qu'il y a des commerçants, je pense à Monoprix, qui jouent parfaitement le jeu et qui rendent le stationnement gratuit s'il y a une consommation très limitée, puisque je crois que c'est 5 euros chez Monoprix et on a 1h30 de stationnement. Et je l'utilise comme tous ceux qui veulent en bénéficier. Et c'est extrêmement pratique. Donc, on a d'ailleurs une solution qui est aussi offerte par les commerçants des Halles, par l'association Les Halles. Donc, il y a des voies qui sont... il y a un dispositif de la ville pour faire tourner les véhicules. Et il peut y avoir des commerçants qui complètent en attirant chez eux avec... une gratuité des parkings dès lors qu'il y a une consommation chez ces commerçants. Bien. Je rajouterai que les parkings fermés ont un très bon taux de remplissage. Certains sont même à saturation, la plupart. Heureusement qu'on a la chance d'avoir un grand parking Place Allier qui, lui, est très grand et qui joue son rôle, j'allais dire, pour les périodes de fréquentation plus importantes. Heureusement qu'on a ces 400 places ici, parce que sinon, ce serait très difficile. Merci en tout cas pour toute cette discussion. Et je veux encore une fois rendre hommage à Cyril pour son implication dans le commerce du centre-ville. Approbation de la convention de création de services communs entre Moulins Communauté et la ville de Moulins. Troisième phase. Oui, la ville de Moulins a de nouveau sollicité. La ville de Moulins a de nouveau sollicité Moulins Communauté afin de créer de nouveaux services communs, à savoir le service aménagement ouvrage, très haut débit, SIG, le service équipement sportif, le service atelier mécanique, le service magasin général, le service tourisme patrimoine, et la direction en charge des transports, mobilité et gestion des déchets. Donc la mise en œuvre de ces services communs relève donc de conventions entre Moulins Communauté et chaque commune désirant adhérer aux services communs. Donc ce projet de convention fixe les modalités des services communs, les effets sur l'organisation, les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des agents, le fonctionnement des services communs, leur gouvernance, leur financement, les moyens humains et matériels mis à disposition, les modalités d'évaluation et la gestion des modifications et des litiges. Donc, tout ceci donc, a été vu au comité technique de la ville de Moulins, la commission activités économiques et finances du 4 décembre. Donc cette délibération a pour but donc d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de création de services communs entre Moulins Communauté et la ville de Moulins dans les deux domaines que je vous ai cités tout à l'heure. Y a-t-il des questions ou des interventions? Entre vous, voyez qui de... J'y vais. Pour vous, c'est plus simple, par contre. Quelle joie! Vas-y, Daniel. Ah non, mais je peux lire. Bon. J'ai lu attentivement ce que je n'étais pas dans la commission, puisqu'elle n'est plus examinée. Je dis, j'ai lu attentivement ce projet de délibération et tout ce qui était annexé. À un examen global, ma première réaction, c'est de me dire que restera-t-il de la ville de Moulins si nous continuons à déléguer autant à la communauté d'agglomération. Je rajoute à cela que, après tout, pour l'instant, cela fonctionne bien, ou fonctionne normalement, ou sans trop de difficultés. Il est difficile... avec ce troisième transfert, je pense, on verra un peu plus tard. Toujours est-il que ça ne fonctionne pas trop mal parce que le maire est président de la communauté, le DGS est le même des deux côtés,
et le directeur de cabinet est aussi le même. Mettons l'hypothèse que je souhaite, après tout, que ça ne soit plus la même situation suite à des élections qui arrivent, qui arriveront, et que ce ne soit plus le président qui soit maire, ou que le maire soit le président, etc., etc. Je me demande ce qu'il restera en cas de difficulté importante entre ce président de communauté et ce nouveau maire, ou l'inverse, ce qu'il en restera à la ville de Moulins pour agir. Voilà, j'appelle à la prudence, à la raison. Je verrai bien ce que vous direz. Et puis, après, à l'examen, je vois deux choses qui m'interpellent. Et sur lequel je souhaiterais avoir une explication. Je pense avoir la réponse, mais j'aimerais qu'elle soit confirmée. Je vois qu'au niveau de ce transfert, il y aura une diminution pour la ville de Moulins de 1 207 392 euros par an. Cela correspond effectivement au coût de ce transfert. J'ai vu le travail fait par l'athlète. Et la question qui vient tout de suite, c'est le coût en 2018. Et puis, ce sera la même chose en 2019, ce sera la même chose en 2020. Il y aura une compensation ou pas? Si tel n'est pas le cas, c'est la communauté de communes, d'agglomération, pardon, qui assurera le GVT, etc. Et puis ensuite, en regardant la situation du personnel, bon, c'est passé au comité technique paritaire, je ne sais pas ce qu'il en a été, mais je vois, j'aimerais avoir des précisions concernant la fameuse prime d'évaluation suite à l'évaluation du personnel qui existe à la communauté d'agglo et qui n'existe pas à la ville de Moulins. Et je vois qu'à la communauté d'agglo, elle peut aller de 150 à 450 euros. Je ne sais pas si c'est mensuel ou si c'est annuel. Ce n'est pas indiqué. Et puis que... Ce n'est pas indiqué. Bon, d'accord. Très bien, mais je... Très bien. Et ensuite, la deuxième chose... D'un autre côté, l'IAT existe et elle n'existe pas à la communauté d'agglo. D'un côté, on parle d'un coefficient minimum 1 et de l'autre côté, d'un coefficient minimum 0,1. J'aimerais avoir quelques précisions en ce qui concerne cette situation de prime, étant donné que, lisant un peu plus loin, ou avant, j'ai vu que le personnel aura le choix de la situation la meilleure. Donc, y a-t-il une situation meilleure d'un côté et de l'autre et quel coût cela aura pour la communauté d'agglo, si c'est le meilleur à la communauté d'agglo. Merci. Merci, Daniel. Jacques. Oui, alors, pour compléter l'intervention de Daniel, je pense que d'abord, le travail de l'athlète est un travail qui est remarquable et qui, je pense, permet une discussion avec accès au niveau du document. Donc, sur l'évaluation qui est compliquée, effectivement, on est sur quelque chose qui est bien fait. Après, par rapport aux questions de Daniel, je pense qu'effectivement, la somme qui est transférée donc, correspond à 1,2 million et quelques. C'est une somme qui sera plus reversée par Moulins Communauté au niveau de Moulins et qui sera stable, effectivement. Et la question qui peut se poser, parce qu'on nous avait dit qu'il y aurait une somme qui serait donnée au niveau de l'État supplémentaire au niveau de Moulins Communauté. Et effectivement, le GVT reste à la charge effectivement de Moulins Communauté. Donc la somme qui est donnée par l'État doit compenser, si vous voulez, le risque pris. Et puis après, on parie sur les gains de productivité pour la suite. Ça n'a pas été mesuré. C'est dommage parce que je pense qu'il n'y a pas d'évaluation, effectivement, qui ont été faites, puisque le débat, normalement, sur la mutualisation doit se faire lors du débat d'organisation budgétaire au niveau de Moulins Communauté. Et comme il y a eu l'extension de Moulins Communauté, il n'y a pas eu de débat d'organisation budgétaire. Donc, on n'a pas d'indication précise, effectivement, sur le coût et sur les sommes qui ont été versées par l'État. C'est la première chose. Deuxième chose de principe, mais c'est un désaccord qu'on a depuis le début, c'est-à-dire que le choix qui a été fait, c'est les communes volontaires
qui vont vers cette mutualisation, alors que nous, on aurait préféré qu'il y ait un travail au niveau de Moulins Communauté et qu'il y ait finalement des besoins qui soient faits par Moulins Communauté et qui soient effectivement auxquels les communes effectivement répondu. Voilà. Donc nous, c'est une position. On a déjà eu ce débat. On ne va pas allonger le débat non plus de façon trop longue, mais effectivement sur ce débat-là, c'est des désaccords de fond au départ qui ont effectivement été, disons, au niveau mutualisation. Et le volontariat au niveau commune montre bien que cette mutualisation, elle est de Moulins vers effectivement Moulins Communauté. Et il y a quelques exemples, Neuvy et puis Toulon, mais c'est pas significatif par rapport à la masse. Y a-t-il d'autres intervenants sur ces sujets ? Alors, il y a une question très précise soulevée par Daniel de la Salle. Toc, toc, toc. Alors, je répondrai sur le premier point. Je comprends que Daniel souhaite que le maire de Moulins reste président de Moulins Communauté. Bon. Je te remercie de m'apporter ton soutien, ça me touche beaucoup et je comprends d'ailleurs que tu souhaites qu'on puisse continuer cette action positive menée sur la ville d'un côté et sur la communauté de l'autre. Mais t'inquiète pas, on y travaille. Alors simplement, il y avait une question très, très précise sur le GVT, les primes d'évaluation, etc., de telle sorte que les deux responsables pour la ville et pour la com d'Aglo vont apporter des réponses précises sur ces points. Moi, je voudrais simplement dire qu'au comité technique, il n'y a eu absolument aucun souci, que tout le monde, pour cette troisième vague de mutualisation, il n'y a eu absolument même pas de questions. Hein. Je regarde mes collègues qui y étaient. Donc ça s'est vraiment très très bien passé, il n'y a pas eu aucun souci. Alors effectivement, il doit y avoir certaines primes qui existent à un endroit et pas à l'autre. On sait aussi qu'il y a tout ce travail du RIFSET à faire, puisque il y a tout un travail d'état des lieux, etc., de remise à plat de toutes les primes pour arriver à quelque chose. Et effectivement, nous à la ville, je ne sais pas où en est la communauté d'agglomération là-dessus, mais nous, c'est un travail qu'on débute parce qu'il y a eu beaucoup de choses à faire, mais ça sera fait. Si on est un peu en retard, il y aura l'effet rétroactif. Peut-être sur ce qu'on peut rajouter, déjà merci pour les agents quand tu dis que ça fonctionne bien. Je pense en effet que la population ne voit pas cette organisation, il n'y a pas eu d'impact négatif et que la mutualisation et la création de services communs permet de maintenir un service public de qualité pour l'ensemble de nos administrés. Pour ce qui concerne le statut des agents, en fait, mais ce n'est pas propre aux agents de la ville de Moulins qui sont mutualisés, c'est le cas quand on recrute un agent qui vient d'une autre collectivité, il vient avec son régime indemnitaire d'origine, de sa communauté d'origine, et après, le Moulins Communauté verse une prime communautaire à l'ensemble des agents, et on va aussi engager le même travail qu'à la ville, puisque c'est une obligation légale de revoir tout le régime indemnitaire. On est en train de caler les premières dates de réunion, on n'a pas encore engagé ce travail, on va le mener prochainement. Jacques, je vais essayer de répondre à ta question, j'ai pas très bien saisi, parce que tu dis vous avez un plan où votre vision, c'est seulement les communes qui sont volontaires qui le font. Et tu opposes ça à une vision où chacune serait tenue d'y participer. C'est pas exactement ça. J'ai pas compris, excuse-moi. C'est simplement dire qu'on n'est pas parti des besoins de Moulins Communauté avec le fait de dire tel et tel service. Tous les services sont effectivement mutualisables. Et c'est les communes qui, eux, déterminent leurs besoins ou leur volonté. Voilà. Et donc, on pourrait très bien imaginer aussi que Moulins Communauté définisse
un certain nombre de points qu'elle cherche à effectivement mutualiser et qu'il y ait toutes les communes volontaires qui n'agissent que dans ces domaines-là. Jacques, cette discussion, on l'a eue en juillet 2015 quand on a adopté notre schéma de mutualisation. C'était d'ailleurs un document qu'on n'a pas. C'était un document qui s'imposait à nous, que le législateur demandait qu'on rédige. Et dans ce cadre-là, justement, pour pouvoir s'adapter le mieux possible à l'organisation de notre territoire, on a fait le choix de prendre un panel très large de services communs qu'on pourrait créer pour ne rien s'interdire. Et comme c'est sur la base du volontariat, ça n'en gêne personne et aucune commune alentour ne s'est plainte en demandant que ce schéma et l'ensemble des services qu'on avait prévus soient révisés à ma connaissance. D'accord, quand même que le schéma n'a pas été adopté au niveau de l'unanimité, quoi. Donc il y a eu un certain nombre de gens qui n'ont pas voté pour. Quel schéma ? Le premier schéma a été complètement adopté. Celui où on avait un principe de 25 agents mutualisés par année sur 4 ans, c'est-à-dire chaque année pendant 4 ans, a été pleinement adopté. Limité. Très, très largement. Je te donnerai exactement, il y a peut-être eu quelques abstentions, mais dois-je rappeler que tu as annoncé que tu allais voter contre cette fois-ci ? J'ai pas dit que je vote contre. Ah bah d'accord. On s'abstient sur cette délibération. Parce que... Si vous voulez, je pense qu'il y a une décision qui a été prise effectivement au niveau 2015. Cette décision, on ne la partage pas, mais je veux dire, on applique. Effectivement, c'est logique que puisqu'il n'y a pas de problème au niveau de l'athlète, du tout. Yannick, puis après je te répondrai plus avant. Non, moi je ne changerai pas de vote, je voterai contre comme conseil communautaire, mais il ne faut pas raconter d'histoire quand on dit qu'on s'adapte aux besoins de la communauté. Qui mutualise aujourd'hui ? Il y a Moulins, Neuvy, je crois, j'étais à la commission. Et Toulon qui a mutualisé. Et Toulon. Il n'y a pas que 3 communes. Donc s'il y avait une vraie adaptation, ça veut dire que ça aurait remporté l'adhésion de beaucoup plus de communes. Pour moi, la mutualisation. Alors, je retiens la question de Daniel que je partage. Que restera-t-il à Moulins ? C'est une vraie question quand même qu'il faut se poser. Donc, que restera-t-il de la place des communes ? Et je pense que ce schéma de mutualisation, ça a été le prétexte d'une aubaine financière, qui d'ailleurs est réduite, puisque je crois qu'ils ont enlevé le... Vous savez, on devait toucher de l'argent d'investissement sur le degré de mutualisation. C'est comme ça que vous avez vendu le schéma de mutualisation, le premier, à l'agglo. Ça, c'est plus le cas, apparemment, en plus. Donc voilà, donc pour moi c'est un effet d'aubaine financière qui, pour l'instant, force est de constater que ça ne profite qu'aux gros, aux grosses communes. Non, on ne peut pas laisser dire ça parce que c'est complètement faux. Ça ne profite pas qu'aux gros. Il est clair que quand on a le personnel d'une ville comme Moulins, comme Yzeure, comme Avermes, c'est plus facile à mutualiser une partie du personnel que quand on a 2 agents ou quand on a 3 agents. Ça c'est clair. Mais ça ne profite pas qu'au gros, ça profite, encore une fois, à la collectivité dans son ensemble. Et je vais vous dire, vous aurez du mal à expliquer à nos concitoyens que mettre les moyens en commun, ça ne permet pas à tous d'en profiter. Parce que nos concitoyens, ils le savent ça. Intuitivement, ils sont convaincus que lorsqu'on met des moyens en commun, on peut faire des économies, ça coûte moins cher et on peut être plus fort. Ça, nos concitoyens le savent et ils ont évidemment raison. Quand on met des moyens en commun, on fait des économies et on est plus fort, on est meilleur. Et c'est ce qui se passe à Moulins Communauté. Si, pour des raisons politiciennes, et vous savez parfaitement pourquoi, d'autres grandes villes n'ont pas voulu jouer le jeu de la mutualisation, c'est leur problème. En tout cas, on a pris une décision il y a maintenant 3 ans à Moulins Communauté d'une mutualisation de 25 agents par an. Nous, on souhaite que d'autres communes jouent le jeu. Si pour des raisons politiciennes, ils n'ont pas voulu jouer le jeu, c'est comme ça. En tout cas, nous faisons le boulot. Et nous le faisons, je pense, au bénéfice de Moulins Communauté, mais aussi de Moulins. On arrive à être plus efficace et à faire des économies
avec cette mutualisation. Oui, vas-y Yannick. Un élu discipliné, j'attends qu'on donne la parole. C'est intéressant ce que vous dites. D'abord, nos concitoyens savent que deux pauvres, ça n'a jamais fait un riche. Mais c'est intéressant parce que vous dites faire des économies. Je vous rappelle quand même ce que vous avez dit au Conseil communautaire, au premier schéma de mutualisation. Même moi, je vous avais interpellé sur cette question-là, considérant qu'il n'y avait pas de projet, qu'on ne savait pas si c'était pour faire mieux, pour faire à moins cher. Et vous aviez dit, non, l'enjeu, ce n'est pas de faire des économies, l'enjeu, c'est d'améliorer nos services, c'est d'être complémentaires. Maintenant, c'est de faire des économies. Clairement, c'est affiché sur le schéma de mutualisation. Est-ce qu'on a c'est des économies dont on a besoin aujourd'hui, ou c'est plus de services? C'est un choix politique. Moi, je pense qu'on a besoin. Les gens ont besoin de plus de services aujourd'hui. Mais on a toujours évoqué les deux objectifs. Et comment? On faisait des économies. Je rappelle que lors de l'intervention, je ne sais plus si c'est Yannick ou Jacques, vous évoquez que une dotation qu'on escomptait, qui était une décision sur la modification du coefficient d'intégration fiscale. Je rappelle que quand on l'a présenté, c'était la règle, et que le gouvernement que vous souteniez à l'époque a changé d'avis. C'est pour ça que... C'est, ah ben absolument. C'est-à-dire que le gouvernement que vous avez changé avait donné une règle, que vous souteniez, avait donné une règle dont il a changé un an après. Mais vous n'allez quand même pas nous reprocher que ce gouvernement ait changé la règle qu'il avait lui-même fixée. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, donc je ne parle pas de ça pour ne pas vous faire de peine. À partir de ce moment-là, on a un dispositif. Ben oui, je peux être charitable, Yannick, attends, on va pas... Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que à la fois, ça permet en mutualisant la somme globale dépensée, les frais de fonctionnement des deux collectivités sont globalement inférieurs et les services sont meilleurs. Je rappelle quand même que la qualité de notre service d'urbanisme, aujourd'hui, par la décision de l'État de supprimer l'instruction du droit des sols, nous avons pu en faire bénéficier combien de communes pardon ? Enfin, toutes les communes, sauf une, sauf Averne, font appel à Moulin Communauté. Et pourquoi on a réussi à offrir cette prestation à nos communes? C'est bien parce qu'on a mutualisé. Ce n'aurait pas été possible autrement. Donc on a réussi, par la mutualisation, à pallier un retrait de l'État. Voilà, donc on peut très bien en prendre acte en disant bravo et merci. Ce que disent d'ailleurs les communes concernées. Voilà. Donc, en tout cas, je pense que cette mutualisation, d'abord, nos concitoyens savent que... Moi, je suis convaincu qu'il faut garder ces deux niveaux de collectivité. Je ne suis pas pour l'abrogation et la fermeture de communes ou autres. Je pense qu'il y a une vie démocratique qui doit avoir un niveau communal, mais il faut avoir un niveau communautaire. Et tout ce qui permettra de contenir les coûts de fonctionnement et d'offrir un niveau de service de bonne qualité va dans le bon sens, et que la mutualisation est à l'évidence un atout majeur dans ce sens. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci pour cette confiance. Et merci encore une fois pour votre soutien, pour que nous continuions à bien gérer la ville et la communauté d'Aglo. Merci Daniel. Nous passons à la convention de partenariat entre Moulins et le Centre national du costume de scène et de la scénographie. Tout le monde connaît l'intérêt local et les retombées économiques, touristiques et culturelles que représente le CNCS pour Moulins. Donc la ville de Moulins souhaite faciliter le fonctionnement de cet établissement. Donc il convient de conclure une convention avec le CNCSS afin de définir les modalités et la nature des prestations que pourront réaliser les services de la ville de Moulins et notamment les services techniques pour le compte de l'établissement. Alors je voudrais que vous modifiez, il y a une erreur matérielle sur le premier considérant, c'est l'année 2018 et non pas 2017, les prestations seront réalisées à titre gratuit.
Donc, on vous demande donc l'autorisation de conclure une convention de partenariat avec le CNCS, définissant les modalités et la nature des prestations qui pourront être réalisées par les services de la ville de Moulins, et autoriser Monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions, des interventions ? Je veux vraiment me féliciter de ce partenariat entre la ville et le Centre national du costume de scène et de la scénographie, dont je rappelle deux choses. La première, c'est que le CNCS est classé, pas par nous, hein, mais à partir de 60 critères différents, il est classé premier musée de France pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Je répète, le Centre national du costume de scène est le premier musée de France pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Et comme vous l'avez vu, comme l'a dit très bien Dominique, il s'agit d'une convention de partenariat entre la ville et le Centre national du costume de scène et de la scénographie. C'est son titre officiel et nous espérons, avec l'extension du CNCS, que nous allons pouvoir mettre en scène la scénographie. Et que c'est toute l'objet, la mission qui est confiée depuis l'origine au Centre national du costume de scène qui pourra se faire si la scénographie n'a pas été mise en avant. C'est tout simplement faute de place. Et avec l'extension prévue du CNCS dans l'ancien bâtiment de la délégation militaire, nous allons pouvoir exposer, entre guillemets, la scénographie. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Adhésion au portail entreprise de la SNCF. Oui, pour les déplacements par voie ferroviaire du personnel municipal et des élus dans le cadre de formation ou de mission, la ville de Moulins utilisait des bons à paiement différé. Donc ces bons permettaient le retrait de billets à l'occasion de chaque déplacement et la SNCF éditait une facture mensuelle. La SNCF a informé l'ensemble de ses clients de l'arrêt donc des bons à paiement différé à compter donc du 1er décembre 2017. Donc il est par conséquent donc nécessaire de mettre une nouvelle procédure en place afin que les agents ou même les élus n'avancent pas les frais de billets de train. Ainsi, la ville de Moulins propose d'adhérer au portail entreprise mis en place par la SNCF en substitution des bons à paiement différé. Donc, ça permet de gérer la réservation, la réception des billets, la modification, l'annulation, etc. Donc, cet accès au portail génère des frais d'adhésion et la gestion à hauteur de 1,5% du montant des achats de l'année précédente. Donc, nous avons estimé, donc pour nous, ce serait pour l'année 2017, un coût de 90 euros. Donc, on vous demande l'autorisation donc, de signer cette adhésion. Bon, on est tous d'accord, j'imagine. Merci. Mise à disposition d'agents de la ville auprès de Moulins Communauté pour le recouvrement des droits de place. Donc cette délibération, c'est pour décider de renouveler la mise à disposition d'agents de la ville de Moulins auprès de Moulins Communauté afin d'assurer le recouvrement des droits de place des cirques et forains accueillis sur le terrain du parc des expositions au bénéfice de Moulins Communauté. Donc on vous demande l'autorisation que Monsieur le maire signe l'avenant numéro 2. Contre, abstention, merci. Modification des règles d'utilisation du compte d'épargne-temps. Donc le compte épargne-temps a été mis en place en janvier 2009 au sein de la ville de Moulins. Le règlement en vigueur prévoit l'indemnisation des ayants droit en cas de décès du titulaire d'un CET par la monétisation des jours épargnés au 31 décembre de l'année précédente. Donc on trouve qu'il serait nécessaire de prévoir l'indemnisation des jours épargnés au profit des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite et qui se trouvent dans l'impossibilité d'utiliser leurs jours épargnés en raison d'un congé de maladie
ou une admission en retraite pour invalidité. Donc, cette modification a été intégrée au règlement qui vous est joint, donc avec la délibération, et nous vous demandons l'autorisation donc de valider, donc d'adopter ces modalités, ces nouvelles modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps. Contre, abstention, merci. Convention avec les restaurants interadministratifs de Moulins et Deezer. Oui, les restaurants, le RIA, la situation financière de cette association de gestion des restaurants interadministratifs de Moulins et Deezer a nécessité l'intervention de la commission de surveillance. Cette commission de surveillance a décidé d'appliquer une augmentation de 0,11 euros par repas sur le montant de l'aide complémentaire forfaitaire avec un effet rétroactif pour les années 2016-2017. Donc, la volonté de la ville étant d'accompagner cette structure qui offre un service de qualité aux agents municipaux, donc on vous demande de prendre acte de l'augmentation décidée par la commission de surveillance. Oui, Daniel. Oui, donc je constate qu'on augmente, et puis je vois aussi qu'on revient avec un effet rétroactif. 2016 et 2017. Cela veut dire qu'il y a de... Ça représentera à peu près 600 euros. Cela veut dire qu'il y a de sérieuses difficultés au restaurant interadministratif? Sérieuses... Je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, il nous a été demandé par cette commission de surveillance d'appliquer. On trouve qu'ils rendent un service de qualité. On vous propose d'accepter ces 11 centimes. Jacques Lahaye. Enfin, je crois qu'effectivement, le milieu associatif, il y a quand même beaucoup de difficultés actuellement. Il y a un audit, disons, de fonctionnement qui s'est mis en place là au niveau du restaurant. Il est, on verra bien ce que ça va effectivement donner. On est dans la situation aussi où il y a une association aussi qui est à soutenir, Molussonnaise, Pénélope, qui avait ouvert un magasin qui est très très bien placé à mon avis sur Moulins, où ils essayaient de présenter des vêtements de seconde main et qui ont très grosses difficultés aussi. Donc je crois que dans le milieu associatif actuellement, il y a effectivement, par rapport à cette commercialisation, aussi un certain nombre de difficultés. Et c'est vrai aussi que le problème des 0,11 d'augmentation, c'est ce qu'on a dit en commission des finances, c'est relativement faible par rapport à la hauteur, au niveau difficulté. Quoi. Parce que 600 euros, ce n'est pas ce qui transforme les choses. Donc tout le monde est d'accord? Contre, abstention, merci. Merci Dominique. Ludovic Brasi, versement d'une subvention par anticipation à l'équipe, comme on dit en anglais, de Soultrait. Oui, donc. Si elle est à la team de Soultrait, pour ça. Exactement. Oui, donc il s'agit de délibérer sur le versement par anticipation sur l'exercice 2018 concernant une subvention à hauteur de 1 500 euros pour le team de Soultrait, qui, je vous rappelle, portera pour la cinquième année consécutive fièrement les couleurs de notre belle ville de Moulins sur les pistes du Rallye Dakar. En tout cas, au-delà de la subvention, vraiment, notre cœur sera avec lui. Nos pensées l'accompagneront. On est très fiers de lui et c'est un très bon ambassadeur de Moulins et du territoire bourbonnais. Voilà. Et c'est un garçon en plus adorable. Non, il faut appuyer sur le truc, on n'entend pas. Je disais, il y a un contre de la part de Marie-Thérèse Gobin. Ok. Un contre. Approbation unanime, moins ce contre. Bien, merci Ludovic. Daniel Demur, subvention destinée aux jeunes moulinois qui sont premiers à leur examen professionnel. Oui, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, la ville de Moulins récompense les jeunes moulinois qui sont reçus premiers à leur examen professionnel. Cette année, alors, deux jeunes moulinois ont été reçus premiers
dans leur examen, à leur examen professionnel pour l'année 2016-2017, ce qui représente une dépense de 160 euros. Donc cette somme sera versée à la Chambre des métiers de l'Allier. Approbation unanime, merci. Alors après, non, je vais vous décevoir. On va voter la subvention, mais il n'y aura pas de dégustation ce soir. Subvention pour le salon au rendez-vous du chocolat. Plutôt, c'est la convention hein, entre la ville de Moulins et le Rotary Club. Voilà, donc le rendez-vous du chocolat cette année, le rendez-vous du chocolat cette année se déroulera les 24 et 25 février 2018. Donc, il s'agit d'octroyer une subvention de 1 600 euros au Rotary Club de Moulins pour l'organisation donc, de ce quatrième salon au rendez-vous du chocolat. Et je vous demande d'autoriser le maire à signer la convention conclue entre la ville de Moulins et le Rotary Club de Moulins. Voilà, cette manifestation a toujours beaucoup de succès et on est très heureux que l'on puisse pérenniser ce salon du chocolat. Tout à fait. On remercie le Rotary Club de son investissement sur ce salon qui, je crois, fait beaucoup d'heureux. Et venez déguster le 24 et 25 février. Faites-vous plaisir. Contre, abstention, merci. Association Capamam Santé, Capamam Service, convention d'objectifs. Voilà, la ville de Moulins, depuis de nombreuses années, a pour préoccupation le développement de la solidarité intergénérationnelle sur son territoire, en accompagnant les initiatives et les actions associatives, favorisant le maintien du lien social, en préservant la place de chacun au cœur de la cité. Donc l'association Capamam Santé a pour objet social de fournir une aide humaine ou technique favorisant le maintien à domicile de toute personne, que ce soit des personnes âgées, des personnes malades, des personnes handicapées, qui bénéficient d'une prise en charge octroyée par le conseil départemental, la MDPH. Ensuite, l'association Capamam Service a pour objet social de fournir une aide humaine ou technique favorisant le maintien à domicile à toute personne bénéficiant ou non d'une prise en charge octroyée par la CARSAT Auvergne, les caisses de retraite ou tout autre organisme ayant passé des conventions avec le Capamam Service. La commune de Moulins donc décide d'apporter son appui aux associations Capamam Santé et Capamam Service pour faciliter la mise en œuvre de leur objet social et ce, dans l'intérêt des habitants de la commune bénéficiaires de ces conventions. De ces interventions, pardon. Alors, l'objectif des conventions, c'est d'établir un partenariat clair avec des objectifs précis pour les associations comme pour la ville, définir les modalités de versement de la subvention versée par la ville aux associations selon le nombre de bénéficiaires concernés. La convention est conclue pour une période de 1 an, à compter du 1er janvier 2018. Elle est reconductible expressément 2 fois pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2020. Donc je vous demande de bien vouloir approuver le projet des conventions pluriannuelles d'objectifs 2018-2020 qui sont joints à la délibération et d'autoriser le maire à signer les conventions pluriannuelles d'objectifs avec les associations Capamam Santé et Capamam Service et d'autoriser également le maire à verser les subventions soit 5 340 euros pour Capamam Santé et 6 600 euros pour Capamam Service. Ok. Tout le monde d'accord? Contre, abstention? Merci. Excusez-moi, je ne prends pas part au vote en tant que présidente du Capamam. Tout à fait. Merci, Nathalie. Merci. Directeur, il prend un vote? Non, bien sûr que non. Non plus. Ok, merci. Merci Daniel. Ludovic, convention d'objectifs entre la ville de Moulins et le Feu Semeux, qui, comme son nom l'indique, Football Club Moulinois ne joue qu'au rugby. Oui, alors c'est une délibération qui revient tous les ans, hein, cette convention d'objectifs 2018. Alors, dans un premier temps, on autorise monsieur le maire à signer la convention d'objectifs entre la ville de Moulins
et le feu se meut. Et dans un deuxième temps, on décide le versement à hauteur de 35 000 euros à l'acompte sur la subvention 2018 du feu se meut. Donc, juste profite de cette délibération d'abord pour féliciter le feu se meut pour son engagement sportif auprès des jeunes et des moins jeunes. Et puis je voudrais surtout vraiment féliciter avec beaucoup d'enthousiasme l'excellent résultat en Coupe de France du club Deezer. Et j'espère qu'un jour le club de Moulins aura l'occasion de rejoindre le club Deezer dans cette Coupe de France. Donc je suis vraiment assez enthousiaste de voir le club de l'équipe voisine bien réussir. C'est Moulinizer Foot. Hein. Mais quand Leclerc subventionnait l'ASM, on ne disait pas l'équipe de Leclerc. C'était une subvention. Voilà. Mais je vais te dire, je prends ta proposition, Yannick. Je vais te faire, tu vois, ce soir, les ondes sont dans le bon sens. Premièrement, Moulinizer Foot a gagné. Deuxième bonne nouvelle, Moulinizer Foot va rencontrer Monaco qui va venir à Moulins. Et donc, Monaco vient essayer de se confronter à Moulins sur son terrain. Il a travaillé toute l'année pour avoir cet honneur et nous l'accueillerons. Et je pense que l'intervention de Yannick est pour nous annoncer, tenez-vous bien, asseyez-vous, qu'il viendra voir le match pour supporter Moulins Iser Foot. Ça, c'est un scoop, les amis. C'est un scoop. Que des supporters moulinois viennent. Bon. Mais j'espère que tous les supporters de Moulins viendront défendre leur équipe. Je reprends. J'espère que tous les supporters moulinois viendront défendre et supporter leur équipe dans ce 32e match de Coupe de France. Voilà. Les supporters moulinois, je les invite à venir supporter leur équipe, comme c'est fait évidemment pour les supporters isériens et de façon plus générale, tous les supporters de l'agglomération. Alors maintenant, sur le feu se meut, mais je sais que tu es à... Nako, tu viendras d'ailleurs au match de rugby pour les supporter aussi après ton intervention. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Merci. Merci, je vais passer la parole à Véronique Lemaire pour le versement d'un acompte par anticipation à l'association Regard sur la Visitation. Oui, dans le cadre de la convention tripartite entre le conseil départemental, la ville de Moulins et Regard sur la Visitation, l'association Regard sur la Visitation s'investit dans un nouveau projet quand la Suisse ouvre ses coffres avec une nouvelle exposition de plus de 150 pièces textiles exposées pour la première fois, provenant principalement des monastères de la Visitation de Fribourg en Suisse et d'Italie du Nord, à l'espace patrimoine 6 Hôtel de Morée, et pour la publication d'un 12e livre d'art consacré à l'histoire et au patrimoine du monastère de la Visitation de Fribourg. Considérant que le conseil départemental de l'Allier et la ville de Moulins souhaitent continuer de soutenir l'association Regard sur la Visitation, et c'est notamment par le biais du versement par chaque collectivité d'une subvention pour l'année 2018, considérant que le montant de la subvention 2018 versée par la ville de Moulins sera fixé lors du vote du budget, considérant que le versement de la subvention interviendra comme suit, donc un acompte sur l'exercice 2008 et le solde avec l'exercice 2008 après le vote du budget primitif de 2018. Pardon, j'ai dit 2008. Voilà. Le versement avant le vote de 2018, donc sur l'exercice 2018, je vous demande donc de bien vouloir voter cet acompte. Y a-t-il des questions? Oui, Stéphane. Simplement pour vous dire que je me réjouis tout particulièrement de cette initiative pour 2018, parce que 2018, c'est aussi l'année européenne du patrimoine culturel.
Et donc que nous, en tant que ville, en soutenant l'association Regards sur la Visitation, pourrons aussi souligner la dimension du patrimoine culturel, la dimension européenne de ce patrimoine via cette exposition, me réjouit plus particulièrement. Ok, enfin on aide chaque année, hein, Regards sur la Visitation. Les thèmes chaque année sont de bonne qualité. C'est cette année, ça te touche par l'Europe. Ok, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Merci Véronique. Nicole, petite enfance, convention d'objectifs avec la CAF et les établissements multi-accueil et halte-garderie. Donc, dans cette délibération, nous reprenons bien sûr appui sur la collaboration qui a été mise en place entre la ville de Moulins et la caisse d'allocation familiale qui concerne la petite enfance. Ceci se situe dans le contrat qui a été signé Petite Enfance pour 4 ans à partir de 2014. Et donc, cette collaboration, bien sûr, a pour objectif d'améliorer la qualité de l'accueil, non seulement quantitatif mais qualitatif de l'accueil des jeunes enfants de moins de 6 ans. Et pour poursuivre ce partenariat, nous avons à décider pour verser par anticipation une participation financière aux trois structures que je rappelle, qui est l'entraide à l'enfance, les petits chouettes et Farandoline, de pouvoir signer cette convention d'objectifs 2018 entre la commune de Moulins et puis les structures d'accueil, et de façon à pouvoir, comme je l'ai dit, verser par anticipation les acomptes qui sont de l'ordre de 35 100 pour l'entraide, 18 800 pour les petits chouettes et 19 200 pour Farandoline, et d'autoriser Monsieur le maire donc à signer cette convention. Contre, abstention, merci. Alors, la mise en place d'une mutuelle communale, qui est vraiment un très beau projet, une très belle intention, Nicole. En effet, c'est une action qui a été initiée par ma collègue Liliane Hérault, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous ce soir, et je vais donc vous présenter cette démarche que la ville a initiée, portée par le CCAS, dans la mesure où en France plus de 4 millions de personnes sont parfois peu ou plus couvertes par une mutuelle et de ce fait n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux soins ou en tout cas cela, l'accès est parfois plus difficile. Aussi, la ville, comme d'autres communes, s'est engagée dans une démarche utile et solidaire et à la fois de préserver le pouvoir d'achat des ménages de la commune. Et c'est pour cette raison que, dans un premier temps, c'est seulement, ça s'adresse aux Moulinois, et de favoriser l'accès aux soins pour tous. Je précise que ce n'est pas une action qui engage financièrement la commune, mais qui permet, du fait que ça soit porté par le CCAS, de pouvoir négocier avec une mutuelle des contrats, un contrat de groupe, et d'avoir ainsi des tarifs beaucoup plus accessibles pour les personnes. Nous avons mis en place un comité de pilotage qui a réuni des professionnels de la santé, mais aussi des élus, des institutionnels, qui a permis, par le biais de ce comité de pilotage, d'abord de recenser les besoins et les attentes de la population en matière de couverture complémentaire. Un questionnaire a été donc adressé aux Moulinois et nous avons eu plus de 250 retours de personnes qui se sont dit intéressées. À partir de ce questionnaire, qui avait aussi pour but de savoir par rapport à la couverture ce qu'ils en attendaient en termes de garantie et de couverture mutuelle,
Et nous avons défini un cahier des charges. Ce comité de pilotage a défini un cahier des charges qui a été adressé à 31 mutuelles. Et nous avons eu 6 mutuelles qui ont retourné, qui ont répondu à ce cahier des charges et pour lequel nous avons eu après une analyse des réponses et nous avons pu définir en fonction des réponses la mutuelle qui nous paraissait la plus avantageuse, non seulement sur les tarifs, mais aussi sur la couverture des soins. Je voudrais seulement dire que effectivement, depuis c'est la mutuelle mutuale qui a été retenue. Nous avons privilégié aussi dans le cahier des charges, c'était un élément important, c'était la proximité, c'est-à-dire nous ne souhaitions pas que pour avoir des informations, la personne ait accès à une plateforme. Nous souhaitions véritablement qu'il y ait des permanences au sein du CCAS et que les personnes puissent physiquement rencontrer l'agent pour demander et comparer. Pour certains, il y en a qui avaient déjà une mutuelle, mais qui ont profité de ce contrat de groupe pour changer de mutuelle. Aujourd'hui, nous avons à peu près une cinquantaine de personnes qui ont déjà contractualisé avec la mutuelle. Et nous avons eu, je crois, à peu près plus de 125 contacts, c'est-à-dire des personnes qui sont venues, qui ont amené parfois leur mutuelle, enfin leur contrat de mutuelle, et qui sont reparties en voulant comparer un petit peu ce que la mutuelle a offré et ce que leur mutuelle actuelle garantissait. Donc, on voit qu'il y a véritablement que cette action rejoint vraiment une attente et un besoin et que ça répond véritablement à l'objectif qui était de permettre par un tarif adapté, accessible, de pouvoir avoir la meilleure garantie possible et notamment une préoccupation qui nous a été retournée lors des questionnaires et dont on est tous conscients que c'est aussi important, c'était notamment sur les soins bucco-dentaires, sur les soins d'optique et notamment tout ce qui était prothèse. C'est bien aujourd'hui que c'est, surtout les soins bucco-dentaires, c'est essentiel pour la santé, pour une meilleure alimentation et pour véritablement d'autres... sur d'autres plans. Donc, je pense que ça rejoint un souci et une préoccupation de santé publique. D'ailleurs, nous incluons cette action dans le contrat local de santé pour lequel il y aura une signature plus tard. Donc, voilà, je me fais l'écho de ce que Liliane a voulu instituée, elle tenait beaucoup à ce projet. Je pense qu'elle aurait aimé ce soir le partager avec vous, mais c'est quelque chose pour lequel, si vous nous permettez, monsieur le maire, nous reviendrons, puisque nous pourrons peut-être faire régulièrement un bilan, savoir que ça a été lancé au mois de juillet, je crois, et que les permanences ont débuté début octobre. Donc, on voit que c'est véritablement un succès et que ça rejoint une attente de la part de la population, qu'elle soit, et ça ne touche pas que des personnes en difficulté. On a par exemple des seniors qui n'ont jamais pris de mutuelle. Nous avons des personnes retraitées aussi qui avaient une mutuelle de groupe par leur employeur et qui, du fait de la retraite, ne sont plus couverts par cette mutuelle, ce contrat de groupe. Nous avons aussi des jeunes qui n'ont pas, dont les moyens ne leur permettent pas d'avoir accès à une mutuelle. Voilà, donc c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important et qui rejoint
les actions que nous mettons en place au niveau de la ville, au travers de son CCAS, en direction de nos populations, qu'elles soient et qui rejoignent notre souci de prévention, c'est-à-dire permettre à nos concitoyens, quelles que soient les actions que nous menons, de rester le plus autonome possible, la meilleure forme, et de pouvoir profiter eh bien, de tout ce que nous pouvons mettre en place dans notre ville et en même temps de rester en bonne santé. Merci, c'est, je pense, un très beau projet, très généreux. Donc, merci de l'avoir bien présenté, Daniel. Bon, je pense qu'effectivement, vouloir apporter une réponse mutualiste à tous ceux qui ne peuvent pas l'avoir est une bonne idée. Je pense qu'effectivement, faire en sorte que cette mutuelle ne soit pas trop onéreuse, c'est aussi une bonne idée. La ville, en fait, n'est que passeur. Le mot passeur ici n'est pas négatif. Il est le fait que je prends un témoin, je le passe et je laisse ensuite les gens adhérer à la mutuelle. Moi, j'avais commencé la commission, mais Nicole n'avait pas toute information. Elle vient d'en donner un certain nombre qui rassure un peu. Il en reste quand même quelques-unes. La première, bon, j'ai pu, puisqu'elle m'a remis la couverture, le niveau de couverture des gens, j'ai examiné ce niveau de couverture par rapport à d'autres mutuelles. Effectivement, cette mutuelle, puisqu'il y a deux paliers, il y a les moins de 50 ans et les plus de 50 ans. On sait que plus on est âgé, plus on coûte, semble-t-il. Et à l'examen, j'ai envie de dire, la cotisation n'est pas très élevée, tout au moins pour les moins de 50 ans. Pour les plus de 50 ans, elle l'est moyennement, mais la couverture reste faible sur un certain nombre de choses à comparaison, et on sait bien qu'il faut comparer toujours ce qu'il en est sur le forfait hospitalier, sur les lunettes, et puis sur les soins dentaires. La couverture semble un peu faible, mais peut-être que... Ça, c'est la première interrogation, donc quand on dit on accrédite, j'espère qu'on accrédite bien, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le risque d'amener une couverture qui ne serait pas tout à fait celle qu'on souhaite ou que les gens auraient souhaité, mais ça n'est qu'une interrogation. Je ne sais pas s'il y avait mieux, en fait. Peut-être que personne n'a fait une meilleure réponse que cette mutuelle qui est installée rue d'Allier. Et puis ensuite, les autres choses, effectivement, tu le dis un peu, mais à qui va s'adresser cette mutuelle ? Alors, sans doute à des gens qui payent plus cher ailleurs, qui vont vouloir rompre. Donc ça va être des ruptures avec d'autres mutuelles pour celle-ci, pourquoi pas, c'est pas interdit. Et ensuite, c'est tous ceux qui n'en ont pas. Alors, tu viens de les citer, et je me dis, sont-ils aussi nombreux qu'on le dit, quoi ? C'est-à-dire que, est-ce que cette mutuelle ne va pas se retrouver avec un groupe très faible et qu'elle ne pourrait pas tenir ? Quels sont les engagements qu'elle tient si jamais le groupe n'était qu'aléatoire et n'irait pas très loin ? Parce que, quand on regarde au niveau des évolutions, tous les gens qui travaillent, malheureusement tout le monde ne travaille pas, mais tous les gens qui travaillent, les employeurs ont une obligation de leur donner une mutuelle, y compris d'y participer financièrement. Ça, depuis 2 ans comme tel. Et puis ensuite, alors après, je veux dire, il y a des gens qui ont des conjoints, donc qui sont en groupe, qui ne vont pas pouvoir sortir des groupes. C'est très difficile quand on est dans une mutuelle de groupe de sortir du groupe, c'est même quasiment parfois impossible. Et donc, il reste les chômeurs, les jeunes, sans doute. Alors, les chômeurs, je ne sais plus ce qu'il en est de la dernière convention avec l'allocation chômage, puisqu'il y avait une modification qui faisait qu'ils avaient aussi droit à une mutuelle pendant un certain nombre de mois ou d'années, je ne sais plus. Et puis après, donc, il y a les jeunes. Donc, voilà l'interrogation, est-ce que ce groupe va être suffisant pour que cette mutuelle tienne ? Et a-t-elle mesuré ce que cela voulait dire ? Et puis... c'est une réflexion un peu universelle. Je le redis, c'est très bien, c'est une excellente démarche, on ne pouvait pas faire mieux. Je suis toujours surpris de l'attitude des mutuelles qui, parce qu'on vient leur proposer plus de clients, sont capables de faire des prix et de baisser beaucoup. Je pense qu'elles pourraient aussi, elles, réfléchir et abaisser avant. Merci. Pour répondre d'une part à savoir si effectivement cette démarche va pouvoir
s'adresser à un nombre plus important de personnes, compte tenu de tous les éléments que tu as pu apporter. Je voudrais seulement dire que c'est une démarche qui a été initiée par notre ville, mais qui est initiée aussi par d'autres communes. Ce qui veut dire que ce problème d'accès aux soins, c'est quelque chose qui a été vérifié, pas seulement qu'à Moulins, mais sur beaucoup d'autres territoires. Donc c'est quelque chose qui est repéré sur le plan national. Après, c'est pour cette raison qu'on souhaite garder la maîtrise et que, effectivement, toute personne qui veut contractualiser dans le cadre de cette démarche de ce contrat de groupe, nous souhaitons véritablement en avoir la maîtrise et faire des bilans régulièrement pour permettre d'ajuster peut-être au niveau des tarifs ou de suivre au niveau des garanties. Hein. C'est quelque chose qui est dans le cahier, on peut revoir, là aussi, dans un premier temps, on l'a limité à Moulins, mais cette action peut être reprise sur l'ensemble de Moulins Communauté. Ça peut être une action qui peut devenir communautaire. Et là, je rejoins un petit peu l'esprit de la mutualisation, qui est quand même, avant d'être mutualisation de personnel, c'est aussi une des valeurs, c'est-à-dire mutualisation surtout de solidarité, de partage. C'est-à-dire que l'idée, c'est que lorsqu'on met en commun, lorsqu'on réunit nos forces, lorsqu'on veut que l'on peut répondre à des besoins d'une population plus large et puis apporter notre expertise, eh bien, c'est vrai qu'on a plus de chances à entraîner notre territoire, notre population vers un mieux vivre. Voilà. Donc, par rapport à ce contrat, je comprends, hein, on a essayé de lire le cahier des charges, on a fait analyser aussi par des services juridiques et plus spécialisés, plus expertise, pour savoir si effectivement, parce que c'est pas facile à lire hein, toutes les garanties, de voir si cette mutuelle, qui est une mutuelle qui est quand même connue et qui est reconnue, hein, et pour laquelle nous apporter plus de garanties, une couverture beaucoup plus large. Et puis, on espère que, si aujourd'hui nous en informons le conseil municipal, c'est aussi pour valider cette démarche, pour l'accréditer, mais c'est aussi pour communiquer. C'est pour permettre aussi que plus grand nombre de nos concitoyens sachent qu'il y a une possibilité de contractualiser une mutuelle dans le cadre d'un contrat de groupe qui leur garantisse des tarifs plus accessibles. Très bien. On va voter maintenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Merci à Liliane Hérault et à Nicole Tabutin qui ont porté ce projet, avec le concours de services que je veux aussi remercier. Et comme Nicole l'a dit, c'est une initiative qu'on a menée et portée ici sur Moulins, mais qui a vocation à être, à s'ouvrir à toutes celles et ceux qui, autour de la ville de Moulins, voudraient en bénéficier. Et donc, je suis tout à fait prêt, après avoir pris cette initiative, à ce qu'elle soit, qu'elle bénéficie à d'autres et qu'elle soit, entre guillemets, mutualisée. Merci. Alors, nous passons aux écoles. Demande de subvention pour les écoles maternelles et élémentaires de la ville, Jean-Michel. Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Moulins met en place des spectacles de qualité particulièrement reconnus, notamment par les écoles. Je veux d'ailleurs ici avoir une pensée particulière pour notre adjointe à la culture, Bernadette Rondepierre. Vous le constaterez dans la délibération, plusieurs écoles maternelles et élémentaires ont sollicité la municipalité pour obtenir une aide.
qui permettra d'alléger le reste à charge pour les coopératives scolaires. Je vous propose donc d'attribuer au marinier 143 euros, à l'école maternelle Jean Massé 235 et 115,50 euros, à l'école de la Comète 145 euros, à l'école Jean Massé élémentaire 360 euros et à l'école Jean Moulin 870 euros. Je souhaite aussi saluer le projet ambitieux mené par l'école élémentaire des Gâteaux. Nous sommes nous-mêmes attachés à l'intergénération que nous mettons en place dans le cadre des après-midi aménagés, par exemple. Dans le projet que l'équipe pédagogique de l'école des Gâteaux nous a fourni, il est proposé de partir une semaine en classe de découverte en juin dans le massif du Sancy. 45 enfants de CP-CE1 et de CE1-CE2 de l'école partiront avec 8 enfants de l'IME Clergeois à Trévol. Il y aura 8 accompagnateurs, dont 3 parents d'élèves. Le budget total de l'opération est de 10 675 euros, sur lesquels la ville est sollicitée pour une subvention de 2 500 euros que je vous propose de voter. Questions ? Contre ? Abstention ? Merci. À l'absence de Becquet, je passe la parole à Nicole Tabutin pour le point d'information jeunesse, convention d'objectifs avec Ville Thaïs. Cette convention d'objectifs 2018-2020 avec l'association Ville Thaïs qui renforce la volonté de la ville de Moulins de permettre la poursuite des actions de la structure Point Information Jeunesse et qui répond véritablement aux attentes de la population jeune de la ville et de leur offrir un équipement qui est implanté en centre-ville, facilement identifiable, ainsi qu'un service d'accueil, d'information, d'écoute et d'accompagnement. Donc, pour tout ce que ce point information jeunesse apporte à nos jeunes, je vous demande d'approuver le projet de convention pluriannuelle d'objectifs 2018-2020, 6 juin, que vous avez joint à votre délibération, et d'autoriser M. le maire à signer cette convention d'objectifs qui permet à la fois de définir l'apport que la ville apporte pour le fonctionnement de ce point information jeunesse, à savoir la subvention, la mise à disposition du personnel, la prise en charge du local et puis de tous les frais fluides et loyers qui sont du fait de cette installation en centre-ville. Voilà, donc je vous demande d'approuver cette convention. Question, contre, abstention, merci. Oui, bien sûr. Merci. Alors, et d'ailleurs, bravo pour ce qui se fait dans ce point d'information jeunesse qui est, je pense, assez performant dans l'accueil des jeunes. Stéphane, convention de partenariat entre la ville et l'Office de tourisme de Moulins. Et cette délibération, on peut la voir ensemble tout de suite aussi, mais il faut la voter bien sûr d'une manière distincte, mais avec la délibération qui suit, il s'agit dans les deux cas de renouveler la convention de partenariat entre la ville de Moulins avec l'Office de tourisme de Moulins et sa région pour la première, la 28, et pour la 29 avec le comité départemental de tourisme. Il s'agit de refixer sans changer les conditions la collaboration entre le service patrimoine de la ville de Moulins et ces deux instances. Et dans les deux cas, il s'agit de quatre éléments. D'abord, c'est la commercialisation du City Pass. Le deuxième élément, c'est les visites guidées pour des groupes. Et après, le troisième élément, c'est la vente des billets pour les visites guidées individuelles. Et enfin, c'est la vente des cartes ambassadeurs. Donc, ces quatre éléments sont concernés par cette convention. Elle arrive à échéance fin de l'année 2017. On souhaite donc la renouveler par ces deux délibérations pour notre côté.
Alors, sur la convention avec l'Office de la Ville, approbation unanime. Sur la convention avec l'Office départemental, approbation unanime. Merci. Merci Stéphane. Alors, Christian, l'entretien de la gare routière dans le cadre du pôle d'échange intermodal de Moulins. Oui, monsieur le maire, si vous permettez, je voudrais déjà présenter mes excuses pour le retard qui a été dû à la participation à la cérémonie de la Sainte-Barbe qui a eu lieu sur le parking à Anatole France. Et c'est à ce sujet que je dois me faire l'interprète et du directeur du SDIS et du président François Zipula, qui ont publiquement remercié la municipalité et les services techniques pour avoir facilité ce déroulement de cette manifestation. Voilà. Merci. Il manquait un tout petit peu de chaleur, par contre. Bon. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est la municipalité qui a répondu à un appel d'offres qui venait du département. Et nous avons donc répondu à cette consultation. On s'est vu attribuer le marché de prestations qui concerne l'entretien de la gare routière. Et nous vous demandons donc d'autoriser, monsieur le maire, à signer les documents nécessaires à la conclusion de ce marché. Approbation générale, merci. Présentation du rapport annuel d'accessibilité de la ville de Moulins. Donc, le 29 novembre, nous nous sommes réunis en commission pour cette commission communale d'accessibilité. Réunion, d'ailleurs, où on a exposé les travaux qui ont, enfin, grossièrement, tous les travaux qui ont été mis en place pour favoriser l'accessibilité sur notre ville. Donc, on vous demande d'approuver ce rapport. Oui, alors... Oui. On va donner la parole à Dominique Vézirian d'abord, si tu es d'accord, Jacques. Alors, en parallèle de ces problèmes d'accessibilité, et pour ma part, traversant la ville à pied tous les jours de la semaine, de la rue de Decize à la rue de Villard, via la place des Vosges, la rue de la Flèche, des Couteliers, la rue de Lyon, j'aimerais vous faire part des constatations suivantes à travers une recrudescence d'incivilité. Comme des déjections canines tout le long de ce trajet, des papiers, des publicités ou autres qui sont jetés sur les trottoirs, des mégots de cigarettes en nombre à certains endroits qui correspondent à des lieux de pause de salariés, des sacs poubelles qui sont sortis en dehors des horaires préconisés qui quelquefois restent le week-end entier. Alors même si ces inconvénients sont moindres par rapport à ceux que connaissent nos handicapés, pouvons-nous y réfléchir, envisager éventuellement des campagnes d'affichage, de sensibilisation, pour commencer, voire légiférer, je ne sais pas. Mais c'est vraiment, enfin, je ne pense pas être la seule à m'apercevoir de tout ça, et c'est de plus en plus. Voilà. C'est vrai ? Oui. Alors, ces problèmes d'incivilité sont récurrents. On les voit à chaque fois que l'on a des réunions ou des points de traitement de travaux dans tous les quartiers. Ce qui revient majoritairement, ce sont toujours ces problèmes d'incivilité. Alors, pour répondre un petit peu aussi à votre demande, vous savez que la municipalité a fait passer un petit fascicule sur lequel, d'ailleurs, on exprime un petit peu tout ce qui... faudrait faire sur notre commune pour qu'elle soit encore plus agréable. Mais il est évident que ces incivilités, nous cherchons aussi un peu à les combattre, mais c'est, pour nous, on est très souvent démunis. Vous savez, empêcher les gens de jeter un mégot, obliger les gens à ramasser des crottes de chiens, pourtant on le fait. On a sensibilisé aussi notre police municipale. Eh bien, ce sont des problèmes récurrents, certes, mais qui ne sont pas faciles à traiter. Si vous avez de la solution, vous faites savoir. Les solutions, certaines villes donc, font ces campagnes d'affichage, certaines villes verbalisent. Malheureusement, il faut en arriver là. Après, il pourrait y avoir peut-être plus de poubelles, peut-être plus de sacs de... pour ramasser les déjections. Écoutez, on a, je ne sais plus combien on a de toutounettes sur la place de Moulins, aux alentours de 120 toutounettes. Oui,
sur la superficie de Moulins, je pense que c'est quand même, la ville est suffisamment quadrillée pour que les gens qui ont des chiens puissent ramasser les crottes. Et en plus, on voit rarement des chiens seuls. Donc, on peut se dire que c'est vraiment... Justement, mais c'est un problème d'incivilité. Et je vous l'ai dit, notre police municipale est motivée. Enfin, bon, on les a suffisamment... On les sollicite pour qu'ils fassent... Empêche. Je partage ton point de vue. Je trouve qu'il y a eu à un certain moment, on avait l'impression véritablement qu'il y avait une prise de conscience et qu'on trouvait moins de, serait-ce que de crottes, de chiens. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est à nouveau quelque chose qui n'est plus du tout, enfin, n'a pas... Bon, on fait régulièrement des publications dans le Dral, moi oui, je pense. Mais c'est... On avait fait une campagne publicitaire assez marquante. Absolument. On avait fait une campagne, et puis Guillaume avait, avec le service communication, avait fait une campagne, mais on voit bien qu'il faut régulièrement revenir là-dessus pour que, effectivement, les gens se rendent compte qu'ils sont quand même en train de pourrir la vie des autres, Oui, sur cette commission d'accessibilité, je pense qu'il faut, il faut faire un bilan. Je crois que dans le dernier mandat, on avait eu des grands moments où il n'y avait pas eu de réunion. Et là, il y a une réunion qui est effectivement régulière. Et je pense que la dernière réunion qu'on a eue, même s'il y avait l'absence de l'APF, mais il y a eu une participation qui était importante et il y a un dialogue qui est extrêmement constructif. Je pense que ça, c'est important de le souligner. Je trouve qu'on est... alors, je veux dire, il y a trois choses sur lesquelles je voulais revenir, moi, pour le dire. La première, c'est qu'on était intervenu, effectivement, il y avait eu le principe l'an dernier d'une intervention dans le Dral sur le fait qu'on partageait la ville, etc., ce qui allait dans le sens aussi du problème au niveau handicap. Mais je pense qu'on s'est mis d'accord aussi pour que dans le Dral, ça soit une intervention qui soit plus ciblée handicap. Parce que, par exemple, Dominique disait une poubelle qui traîne au niveau du trottoir, c'est pas seulement anodin pour nous. Enfin, ça sera on fera le tour, etc. Mais quelqu'un qui est malvoyant, par exemple, pourra tomber, etc. Donc, je veux dire, c'est quelque chose d'important, à mon avis, et même par rapport au problème des vélos. Je veux dire, il y a un certain nombre de choses auxquelles on... Le stationnement des vélos stationnement sur... Ou stationnement au niveau véhicule. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a fait le tour des problèmes, entre guillemets. Alors, il y en a forcément, on ne va pas revenir sur tous, on ne peut pas tout faire dans le temps, mais je veux dire, est quand même revenu beaucoup le problème au niveau de la médiathèque, avec un lieu qui est quand même important à régler, à mon avis, au niveau technique, très, très vite. C'est le problème de la fosse, là où il y a effectivement la possibilité de se retrouver au niveau gradin. Mais dans le lieu de passage, il n'y a rien qui protège, si vous voulez, par rapport à quelqu'un qui tomberait. Ça, on l'a noté. Je pense que c'est effectivement le plus important. Le troisième... C'est un oubli, là. Je vais vous dire très sincèrement, c'est un oubli, mais que l'on va, je pense, réparer rapidement. Ça montre bien l'intérêt de ce type, disons, au niveau commission. La troisième chose, c'est le problème accessibilité au niveau des commerces. C'est souligné, je veux dire, c'est des frais, et je veux dire, sur Moulins avec les normes en plus, et puis le côté quartier historique, etc., c'est pas facile de se mettre en accord au niveau accessibilité. Et donc a été posée la question des rampes d'accès mobiles et la présence d'une sonnette. Là aussi, il faudrait peut-être travailler au niveau commercial avec le manager pour voir un petit peu ce qui est possible d'être fait et quelles aides on peut apporter, peut-être au moins en conseil, en lien, etc. Parce que je pense que beaucoup de commerçants s'inquiètent aussi de rentrer dans ces frais-là, et puis avec quand même des textes qui sont très, compliqués, etc. Je pense que c'est un des points aussi qui ont été soulevés. En tout cas, merci d'avoir remarqué que nous travaillons d'ailleurs tous en bonne intelligence pour que ça profite à nos handicapés. Ok.
Merci. Donc, il s'agit d'un rapport et il faut simplement acter qu'on a présenté ce rapport. Merci Christian. Droit de voirie, pose de banderoles publicitaires, les tarifs, Dominique. Donc, je vais vous proposer une majoration de l'ordre de 2% pour les tarifs 2018. Donc, vous avez la feuille, je vais vous épargner de tout ce que vous voulez lire. Tous d'accord, merci. Dénomination des parkings situés sur la commune. Oui, donc il est nécessaire de dénommer officiellement les parkings pour faciliter notamment leur localisation. Donc nous avons listé tous ces parkings, on n'a pas été très inventif parce qu'on a gardé les noms des rues pour que ce soit beaucoup plus clair. Mais il nous faut le dénommer officiellement au conseil municipal. C'est ce qu'on vous propose. Jacques. Je pense qu'il est important, effectivement, de faire le tour, disons, entre guillemets, des parkings qui sont effectivement disponibles. En tant qu'opposition, on a fait notre tribune dans le dernier numéro du DRAL sur ce thème-là. Avec trois points essentiels, et je voudrais revenir là-dessus par rapport à une réponse, peut-être pas immédiate, mais en tout cas qu'on y réfléchisse. Vous savez qu'on a eu à étudier le forfait post-stationnement, et donc il y avait un certain nombre d'éléments qu'on ignorait, alors peut-être que vous les ignoriez aussi, mais nous, on les ignorait, c'était le délai de paiement. Donc on a pris comme principe que ça soit payé le jour même avant 20 heures. Et on voit qu'Aurillac donne 5 jours effectivement de délai. Donc est-ce que le délai peut être modifiable ou effectivement modifié? Aussi, il y a eu un article de presse dans La Montagne, comme on l'avait dit hein, au niveau conseil municipal, pour essayer de présenter un petit peu au point de vue changement, effectivement, pour pas que ça crée une difficulté. Et dans l'article de presse, alors si l'usager fait un recours, la collectivité examinera sa réclamation et s'il n'y a pas de réponse dans le mois qui suit, la demande de l'usager sera considérée comme rejetée. Donc, je veux dire, ça veut dire que, si je comprends bien, si la ville effectivement répond pas à une demande, eh ben, il sera obligé de payer au point de vue dépassement. Ça me paraît un peu contraire au niveau fonctionnement, puisque tout le fonctionnement administratif, c'est si on n'a pas de réponse, au contraire, c'est effectivement l'usager qui gagne. Hein, voilà. Donc, ensuite, on demandait aussi qu'il y ait un débat plus général sur le stationnement sur Moulins. Ce débat, on a commencé à y revenir tout à l'heure. Vous avez opposé stationnement gratuit et puis rotation. Vous étiez exprimé au mois de juin dans le DRAL. Vous disiez la ville de Nevers a par exemple expérimenté le stationnement gratuit en 2016. Elle a fait marche arrière depuis, constatant que cette mesure avait été évidemment contre-productive pour l'activité commerciale. Alors, vous le soulignez, et je le souligne aussi, il n'y a pas de réponse gravée dans le marbre, et je trouve qu'il y a quand même des changements qui sont importants. Cette affirmation de dire qu'elle est contre-productive pour l'activité commerciale, elle est contredite par les faits, au moins au niveau de la ville de Nevers, puisqu'au contraire, Nevers a fait le choix du stationnement gratuit au 1er janvier 2018, et elle a revendu tous ses 110 horodateurs, considérant qu'elle n'en avait plus besoin. Le stationnement cœur de ville se fera en zone bleue de 2 heures pour 1159 places et en stationnement libre pour 458 places. La rotation, effectivement, des véhicules en zone bleue, c'est ce problème, disons, du contrôle, hein, sera contrôlée par les policiers municipaux au volant d'une voiture verbalisatrice électrique qui patrouillera sans arrêt dans le périmètre au niveau zone bleue. Et les conducteurs qui n'auront pas respecté les 2 heures seront sanctionnés d'une amende d'un montant de 17 euros. Le président des commerçants de Nevers salue ce qu'il qualifie d'une formidable avancée. Il déclare que nos clients nous disent depuis des années que le principal obstacle à leur venue en centre-ville est l'impossibilité de se garer gratuitement à proximité des commerces. Il n'y a pas de solution miracle, mais cette initiative mérite d'être étudiée.
Je souhaiterais donc une réponse précise sur ces trois points. Le délai de paiement, le rejet de la demande de l'usager sans réponse dans un délai d'un mois et la prise en compte de l'initiative de Nevers. Janvier, hein, donc. Je dis, c'est toujours, c'est connu, hein, c'est toujours mieux ailleurs. Seulement, tu vas voir les gens de Nevers, ils diront que c'est pas mieux. Mais ça n'a pas de rapport, c'est au 1er janvier 2018, donc tu peux pas savoir ce que les gens de Nevers vont nous dire. Hein. Oui, mais enfin, on le verra. Je pense que pour le délai, il faut rester sur ce, avant 20 heures. Parce que. J'allais dire, après, ça, les gens ne sont pas contents quand ils ont une... c'est même plus une verbalisation, c'est un forfait post-stationnement. Mais ça ne sera pas 17, là, ça sera 10. Donc, et s'ils ne le font pas tout de suite, ils vont oublier, et là, ils paieront 25. Donc, je pense que ce n'est pas bon de laisser plus de temps, parce que eh bien, les gens seront pénalisés quelque part. Moi, pour le temps, je suis favorable à rester sur avant 20 heures. Bien. Sur la dénomination, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Voir si, en absence de toute réponse de la ville, ça serait effectivement rejeté. Pas nous qui faisons la loi. C'est le texte de la loi, hein, Jacques. Ok. On peut pas passer outre. Déclassement cession de la propriété du 15 boulevard de Courtais, Dominique. Donc la ville de Moulins est propriétaire de la parcelle située 13-15 boulevard de Courtais pour une superficie de 820 m². Cette parcelle supporte des locaux associatifs, les AVF, là, et les locaux de l'ex-école maternelle Marie-Laurence, qui a fait donc l'objet d'une fermeture définitive en fin d'année scolaire 2016-2017. Les locaux de l'ex-école maternelle ont fait l'objet d'une désaffection complète et définitive en octobre 2017 au conseil municipal. Un document d'arpentage et une division en volume sont effectués pour diviser la parcelle et les bâtiments en deux structures, parce que nous ne mettons pas en vente les structures des locaux associatifs du numéro 13. Seuls les locaux de l'ex-école Marie-Laurencin, situés au numéro 15, sont concernés par le déclassement et la cession. Donc, il nous convient dans cette délibération de prononcer le déclassement de cette parcelle. Et la collectivité donc avait mis en vente et a été sollicitée par 6 acquéreurs potentiels pour visiter le site. Nous avons reçu deux propositions identiques au niveau financier. Monsieur Mayer, pour un montant de 200 000 euros, son projet était de créer son habitation principale à l'étage et un local associatif au rez-de-chaussée. Et celle de Moulins Habitat pour un montant de 200 000 euros pour créer 5 logements. Donc nous vous demandons donc de prononcer le déclassement du domaine public de la parcelle AV151 sur une surface de 766 m² et de vendre à Moulins Habitat la parcelle AV151 du 15 boulevard de Courtais pour la somme donc de 200 000 euros. Évidemment, les frais de cette vente sont à la charge de l'acquéreur. Et on vous demande l'autorisation donc que Monsieur le maire puisse signer l'acte à intervenir. Y a-t-il des interventions, des questions, des oppositions? Des abstentions. Merci pour ce vote unanime. Cession du terrain 2, 4 rue d'Allier, enfin entre le 2 et le 4 rue d'Allier, à monsieur et madame Naveau. Donc cette partie s'appelle donc la rue de la Couronne, qui appartient au domaine privé de la commune depuis son déclassement par la délibération de juin 2013.
Monsieur et Madame Naveau, donc, sont acquéreurs de l'immeuble 2 rue d'Allier, souhaitent créer un ascenseur et un escalier de secours en vue de se conformer aux obligations en termes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et la sécurité incendie pour un établissement qui reçoit du public. Donc cette parcelle ne présente aucun intérêt pour la ville, puisqu'on l'avait fermée, puis il y avait tellement de nuisances, elle est fermée par deux portes. Nous avons donc une offre d'achat de M. et Mme Naveau qui est exactement le même montant que l'estimation des domaines, c'est-à-dire 5 600 euros pour une superficie de 33 mètres carrés. Donc on vous demande de l'autorisation de signer l'acte pour cette transaction. Oui, Daniel de la Salle. Oui, s'agissant de... Bon, je pense que l'idée est excellente, hein. S'agissant d'une rue, puisqu'elle est intitulée comme telle, alors, oui, non mais elle est sur le plan. Et puis je suis allé voir là-bas, c'est écrit, il y a toujours le panneau où c'est écrit ruelle. C'est un peu... Non mais n'y avait-il pas nécessité... Tu la flattes, la rue. Non mais n'y avait-il pas nécessité de déclassement? Elle a été déclassée. Ça a été déclassé en juin 2013. D'accord, très bien. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, beaucoup plus artistique. On n'aurait pas pu en profiter pour prendre la même largeur dans la rue des Bouchers, là? Ça aurait facilité la vie. On lui vend des mètres carrés, on aurait pu lui donner, à condition qu'il nous laisse la même chose dans la rue des Bouchers. Ça aurait circulé plus facilement. Tu veux déconstruire couper l'immeuble ça paraît difficile. Bien. Hors plaisanterie, ça reste un des éléments, enfin un des passages difficiles. Ok. Contre, abstention, merci. Suivent 5 dossiers de subvention pour des travaux d'adaptation, etc. Le premier dossier, c'est une subvention de primo-accession à Madame Carton, qui fait l'acquisition d'une maison d'une surface habitable de 70 mètres carrés, 17 coups de Cour de Bercy. Donc, nous avons voté, voilà déjà un certain temps, une prime de 100 euros du mètre carré, avec un minimum de 3 000 euros par logement et un maximum de 10 000 euros. Donc, on vous propose d'attribuer à Madame Carton une subvention de 7 000 euros, puisque le bien qu'elle achète fait 70 mètres carrés. Pardon. Alors, le deuxième... Enfin, attendez, on va voter, vous avez raison. Hein. Vote par délibération, par délibération, contre, abstention, merci. Deuxième subvention de primo-accession, c'est pour Madame Perrault, pour une maison 33 rue de Bardon. Donc, cette maison a une surface habitable de 84 mètres carrés, donc on propose d'attribuer une subvention de 8 400 euros à Madame Yolaine Perrault. Contre, abstention, merci. La suivante, c'est une subvention pour travaux d'adaptation à Madame Raffard dans un appartement 6 rue de Bardon, à la résidence Vincent Dindy. Donc, le montant des travaux d'adaptation sont de 4 945 hors taxes et sont subventionnables en totalité. Donc, on vous propose, donc, nous, de donner les 5%, c'est-à-dire 247,25 €. Madame Raffard, donc, aura également une subvention de l'ANA, de Moulins Communauté, du Conseil départemental. Donc, le tout, ces travaux seront subventionnés à 76%. Contre, abstention, merci. Donc, la suivante, c'est une subvention pour travaux d'économie d'énergie à M. et Mme Leca pour une maison 25 rue du Cerf-Volant. Donc, là, le montant des travaux est de 54 949 euros hors taxes, dont 50 000 euros subventionnables. Donc, notre subvention d'un montant de 5%,
Donc, on vous propose de donner 2 500 euros de subvention. Monsieur et Madame Lucas seront aidés également par l'ANA, le Moulin Communauté, le Conseil départemental. Et donc, ils seront subventionnés à une hauteur de 68% du montant des travaux subventionnables. OK. Contre, abstention, merci. Alors, une subvention pour sortie de vacances dans le local commercial à la société Voir Commerce pour le local du 7 rue d'Attas. Donc, la société Voir Commerce a fait la reprise d'un local commercial vacant donc depuis fin mai, pour installer donc un commerce dans le secteur de l'équipement de la maison, vaisselle, art de la table, etc. Donc, le montant d'acquisition du mobilier, la signalétique et des travaux d'aménagement représente 68 800 euros. Donc, on vous propose, donc de, puisque c'est par rapport à 5%, etc., d'attribuer la subvention de 5 000 euros, c'est-à-dire la subvention plancher, pour la reprise de ce local commercial qui ouvre demain. Je crois que l'ouverture est demain. OK. Contre, abstention, merci. Merci, Dominique. Daniel, dérogation à la règle du repos dominical des salariés. Voilà, il s'agit des dérogations donc accordées par le maire et il s'agit de déterminer les dates pour l'année 2018, donc d'ouverture les dimanches, pour les commerces de détail. Alors, on vous propose que les établissements de commerce de détail soient autorisés à ouvrir 5 dimanches en 2018. Les commerces de catégorie, alors commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire, pourront ouvrir les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. Les grands magasins et magasins populaires pourront ouvrir les 14 janvier, 1er juillet, 16, 23 et 30 décembre 2018. Les supermarchés pourront ouvrir les dimanches 4 novembre, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. Les commerces de détail spécialisés non alimentaires donc pourront ouvrir le 14 janvier, 2 septembre, 9, 16 et 23 décembre 2018. Et les concessions automobiles pourront ouvrir les dimanches 21 janvier, 18 mars, 17 juin, 16 septembre et 14 octobre 2018. Contre, abstention, merci. Alors, dérogation, la règle du repos dominical par le préfet. Voilà, là il s'agit des dérogations donc, qui sont accordées par le préfet et on donne un avis sur ces dérogations pour les 24 et 31 décembre 2017. Donc cette délibération concerne le 24 et 31 décembre 2017. Donc il y a toute une liste de magasins qui ont sollicité la possibilité d'ouvrir les 24 et 31 décembre. Donc, on vous demande d'émettre un avis favorable sur les demandes de dérogation au repos dominical qui ont été présentées à M. le préfet. Donc, il y a beaucoup de coiffeurs et également le magasin Monoprix qui a demandé d'ouvrir les 24 et 31 décembre. Contre, abstention, merci. Merci, Daniel. Ludovic, un avenant à la convention de partenariat entre la ville de Moulins et l'association Connecting Bourbon. Oui, alors cet avenant fait suite à la convention de partenariat entre Connecting Bourbon, qui je vous rappelle, et l'association qui gère l'espace de coworking situé à la salle des fêtes, et la ville de Moulins, qui a été conclue en mai 2017. Alors l'objectif est de préciser les locaux qui sont mis à disposition de l'association Connecting Bourbon, et par conséquent, il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant. OK. Contre, abstention, merci. Délégation du conseil municipal en matière de gestion municipale. Je vous rappelle qu'il y avait eu le 14
la délibération en date du 4 avril 2014 relative à la délégation du conseil municipal au maire en matière de gestion municipale. Nous avions délibéré à cette date-là. Et suite aux évolutions législatives, il est demandé aujourd'hui au conseil municipal de bien vouloir d'ajuster les attributions du conseil municipal pouvant être déléguées au maire pour le bon fonctionnement des services et dans un souci d'efficacité ainsi que de réactivité. Donc vous avez la délégation avec les différents points où il y a eu des modifications, et c'est pour cette raison, compte tenu des évolutions législatives, qu'on vous redemande de délibérer concernant les délégations du conseil municipal au maire en matière de gestion municipale. Questions, contre, abstention, merci. Merci. Alors, on a délibération sur la fourniture de carburant et de fioul domestique. Oui, alors nous avons trois délibérations concernant les fournitures. Alors, suite à la commission d'appel d'offres d'hier, dans un premier temps, nous avons statué en ce qui concerne la fourniture de carburant et de fioul. En ce qui concerne les supercarburants qui sont enlevés dans les stations-service partout en France au moyen de cartes, c'est la société Total France qui a été retenue. Et pour la fourniture, alors ça c'est local, pour la fourniture de supercarburants de gasoil, supercarburants en cuve évidemment, de gazole en cuve et de fioul domestique, c'est la société Lagarde de Cusset qui a été retenue. Approbation unanime, merci. Transport scolaire, périscolaire, extrascolaire. Donc de la même manière, au cours de cette commission, nous avons attribué, en ce qui concerne les transports des jeunes et pour les accueils de jeunes, de loisirs, pour les transports, pour la restauration scolaire, pour les travaux et ainsi que pour les enfants des écoles maternelles, nous avons attribué ce marché à Europe Voyage qui est situé à Averne. Contre, abstention, merci. Détection, géoréférencement des réseaux enterrés. Donc c'est le fameux SIG, le système d'information géographique. Et à ce titre, nous avons donc attribué le marché à la société, enfin au groupement Parera, qui est de l'Isle-sur-Jourdain, pour donc un montant de 275 000. Et là, il n'y a pas eu trop de discussions parce qu'il y avait des différences tarifaires très importantes. Voilà, on a achevé l'ordre du jour. Y a-t-il des questions ? Oui, Daniel. C'est sur cette délibération, la dernière, là, sur j'étais à la commission sur la géolocalisation. Bon, ça, c'est très bien, ça coûte un peu cher, mais l'État intervient beaucoup, si j'ai compris. Et la question, c'est, on se rend compte qu'il s'agit des tuyaux concernant l'eau et concernant l'électricité, si ma mémoire est bonne. Et j'attirais l'attention sur le fait qu'il y a effectivement d'autres tuyaux qui passent en ville, et donc il y a ceux du gaz, il y a l'assainissement, et on s'aperçoit que c'est traité par d'autres. Mais tu sais très bien, on a évoqué le problème. Ma question, elle reste de même. Tu as en partie répondu, je la repose. C'est même pas une question, c'est le fait du bon sens. Espérons que les autres logiciels de ceux qui font l'examen des tuyaux ailleurs vont pouvoir se regrouper avec ce logiciel-là pour que, enfin, nous ayons une vue générale de tous les tuyaux qui passent dans les sous-sols. C'est... Voilà. Bah oui.
Ah oui, a priori, c'est ce qui nous a été noté, enfin c'est ce que l'on a noté et ce que l'on a bien compris, c'est que finalement ces résultats, ce n'étaient que des feuilles, comme un millefeuille, qui venaient s'appliquer les unes sur les autres avec des logiciels qui étaient parfaitement adaptés, hein, et qui s'adaptent d'ailleurs avec d'autres systèmes d'information qui sont par exemple ceux de GRDF. Hein, qui ont leur propre système d'information et qui est complètement compatible avec ce système d'information que l'on met en place, que l'on va avoir pour mettre en place cette carte des réseaux. Ce que je voulais dire précisément, ce n'est pas par rapport à toi, c'est parce que je pense que le travail est bien fait, c'est que je me disais, il y a peut-être un peu d'intelligence quelque part, pour qu'on pense à tout regrouper en même temps. Voilà, c'est tout. Tu es pour la mutualisation, c'est ça ce que tu viens de nous dire? Je suis pour la mutualisation des choses qui méritent d'être mutualisées et qui sont bénéfiques par rapport aux usagers. Voilà. On finit sur une grande unanimité, puisqu'on est tous d'accord. Et donc, je vous remercie. Je voudrais simplement... Bah, ok, tout le monde est d'accord, contre, abstention, merci. Je voulais simplement vous souhaiter de bonnes fêtes, vous souhaiter une très belle année 2018, et si vous êtes d'accord, je finirai avec le premier mot que j'ai employé en début de conseil. Je vous souhaite d'aborder cette année 2018 avec beaucoup d'espérance. Voilà, je vous souhaite une bonne année, et pour vous, et évidemment... pour tous les moulinoises, les moulinois, tous ceux qui nous ont écoutés, que je remercie. À bientôt.